Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le dimanche 28 avril, il est 11h, 11h30 par là. Et euh, bah, j'avais envie de vous prendre un petit peu en vlog pour euh, avancer mon illustration d'Amandine dans le Frix. Dans le frix pardon. Donc c'est la femme bicolore. Et euh, voilà, ça fait une petite semaine que je ne vous ai pas pris en vlog puisque euh, cette semaine était consacrée eh, bah, à l'événement Amandine, donc il se poursuit encore. C'est juste que moi j'ai choisi de faire la sortie, euh, coïncider la vidéo à la place de mes vlog. Donc pour cette, pour cette raison-là, je n'ai pas fait de vlog. Excusez-moi, j'ai la voix qui est en train de se carapater, je ne sais où. J'espère que je vais quand même réussir à tenir la, à tenir la vidéo. Et donc, euh, je voulais euh, réaliser cette, euh, ce personnage avec vous. À la base, je voulais agrémenter le fond, parce que j'avais déjà fait le fond avec vous, avec une aquarelle octarine. Mais euh, une aquarelle octarine qui n'est pas très granuleuse celle-ci. J'avais utilisé cette teinte-là. Euh, voilà, même sur le, mon, mon nuancier, on voit qu'elle n'est pas très granuleuse. Après, sur mon nuancier, je trouve qu'on ne voit pas bien la granulation. On voit les teintes, mais pas la granulation. Et c'est avéré qu'elle n'est pas granuleuse du tout. Et je voulais euh, l'agrémenter, mais euh, je vais vous mettre un peu de lumière. Vous, ça ne changera rien, mais moi ça changera beaucoup normalement. <laughs> voilà. Je voulais l'agrémenter. Alors j'hésitais avec des pochoirs, des splashs, des machins, des trucs. Mais pour le moment, je ne trouve rien qui me convienne. Donc, je vais faire la mise en couleur du personnage et je reviendrai après pour euh, pour agrémenter le fond et pour la mise en couleur du personnage. Donc, comme je vais partir sur une peau très foncée avec des taches très claires, je me suis équipée de ma petite euh, palette. De chez Prima Marketing, Art Philosophie, la complexion. Donc, c'est celle avec, euh, qui regroupe toutes les teintes peau qu'on peut retrouver dans les, autres, euh, dans les autres palettes. Alors, oui, c'est des doublons, mais personnellement, moi, je la trouve très pratique parce que vous avez toutes ces couleurs. Et donc, euh, je pense pour sa peau utiliser la teinte Tiki pour la partie foncée. Parce que j'ai pas ou, ou unit je sais pas trop. La Unite est un peu plus chaude que la Tiki, je trouve. Enfin, c'est pas qu'elle n'est pas chaude parce qu'elle vire sur le jaune et celle-ci vire plus sur le rouge. Et euh, je, je préfère celle-ci. Mais euh, parce qu'après, au niveau intensité de marron, c'est un peu la même chose. Par contre, je ne vais pas prendre euh, dans cette palette pour la couleur claire parce que celle-ci, je la trouve encore un peu trop teintée pour, euh, pour le problème de peau qu'est euh, cette, euh, cette maladie de peau. Et c'est qu'elles ont vraiment la peau très très blanche, limite albinos. Et donc je vais partir sur euh, mes aquarelles euh, pigmentarium et prendre une de ces trois là qui se ressemble quand même très 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 franchement quand on les regarde comme ça. Je... Dans la palette elles ne se ressemblent pas du tout hein, en vrai. C'est ces trois là, elles ne se ressemblent pas du tout. Mais sur le papier, ben enfin, moi perso je ne vois pas trop trop de différence. Donc euh, je vais prendre une des trois, je ne sais pas encore laquelle, on verra bien. Et ça sera juste pour faire les tâches donc je vais d'abord commencer par euh, donc je pense la unit je vais prendre ma unit et euh, voilà je vais, je vais faire la partie principale et après je viendrai euh, faire les tâches claires ce qui serait bien c'est que j'arrive à flouter un petit peu les bords parce que les tâches effectivement elles sont elles sont bien marquées mais c'est pas une démarcation ultra franche il me semble dans cette euh, dans cette maladie Voilà, je vérifie que ça tourne bien parce que je suis toujours avec mon ancien téléphone. Euh, j'ai reçu le nouveau, ça y est, mais euh, je l'ai pas encore fini de le configurer, donc euh, voilà, vous allez encore avoir un petit peu de l'ancien téléphone euh, pour ce vlog. Je vais commencer à tourner les prochaines vidéos, donc euh, bon là comme j'ai un peu d'avance sur mes vidéos, vous verrez pas les effets du nouveau téléphone tout de suite, mais je pense que vous commencerez à voir euh, les effets du nouveau téléphone. Euh, bah, fin mai, je pense que c'est fin mai que les premières vidéos faites avec sortiront. Enfin, ça se trouve, je dis ça, euh, c'est pas parce qu'il est nouveau qu'il va forcément être très bien. Hein. Donc, euh, ça se trouve, euh, je continuerai à tourner avec l'ancien si la qualité est meilleure sur l'ancien. Alors, petit test couleur, ok, ça me semble pas trop mal. faut bien que je dilue par contre à chaque fois parce que sinon ça va pas rendre ce que je veux. Ah, puis elle absorbe vite l'eau, hein. Peut-être que j'en fasse un petit jus. On va faire un jus parce que sinon, je pense que je vais galérer. Est-ce que vous êtes dans le champ pour la préparation du jus? Non, pile la l'alvéole la... Que, que je prends, c'est celle qu'il fallait pas. <laughs> voilà, puis je vais diluer un petit peu. Hop là, on est comment là? Il va falloir que je pense à changer mon pinceau parce qu'il commence à réabsorber l'eau. Je ne sais pas si vous voyez. Non, là, trop tard. On voit les petites bulles qui remontent. Donc, en fait, l'eau à l'intérieur, elle se teinte aussi. Alors, voyons voir ce que ça donne là. Parfait. Pile poil. Alors, j'espère que j'en ai préparé assez. Et puis, bah, c'est parti. Euh, du coup, ça manche. Moi, je suis partie du principe que ça manche. Et ici, c'était transparent. Donc, je vais passer et euh, je viendrai. Euh... Faire un effet de transparence après par-dessus. Donc je vais commencer par ici. Ça se rapproche un peu de la couleur du fond. Il va vraiment falloir que je fasse quelque chose pour le fond pour éviter que mon personnage se noie dans le fond. Parce que l'idée est quand même que mon personnage ressorte hein, et non euh, que mon personnage disparaisse dans le fond. Donc je verrai bien. Je trouverai, hein, j'arriverai à en faire quelque chose de cette illustration. Ce mois-ci, je suis assez déçue pour mon mois d'avril. Je m'étais prévue une pack, alors certes un peu conséquente, mais qui ne me paraissait pas disproportionnée, démesurée. Et j'ai l'impression de ne pas avoir eu de temps pour, euh, pour avancer mes projets. Alors je ne sais pas si c'est parce que je me suis mis trop de choses à, à faire et du coup, bah, je me suis débordée, ou alors si c'est parce que j'ai vraiment pas eu de temps pour moi, quoi. Donc bon, bah là moi j'ai l'impression de pas avoir assez colo, pas avoir assez fait de d'épée, enfin pas avoir avancé mes projets, j'ai quasiment pas fait de point de croix. Donc bah, vous verrez bien ça de toute façon les vidéos au moment où vous verrez ce vlog seront déjà euh, seront déjà qu'est-ce que je fais moi oh, Je fais n'importe quoi. Au moment où vous verrez ce vlog, les vidéos seront déjà sorties. Donc euh, bon, mais ouais, je suis un peu déçue. Pour moi, ça allait... Euh, comme j'allais avoir une semaine, là, de... Je viens d'avoir ma semaine, ma première semaine de liberté. Je pensais que j'aurais vachement le temps pour faire du colo, du DP et tout ça. Et en fait, euh, bah pas du tout. Pas du tout. J'ai passé mon temps dans les démarches administratives et euh, bah, je quasiment pas profité pour moi. Je n'ai pas eu l'impression d'avoir temps pour moi du tout de la semaine. Donc, euh, bah, j'espère que la semaine à venir, ça va être un petit peu mieux, même si, euh, voilà, je vais commencer vraiment à avoir la tête... Euh... Dans le dans le voyage, c'est une bonne chose hein, d'avoir la tête dans le voyage, mais euh, mais du coup ouais, je pense que ça va pas être euh, ça va pas être très très folichon folichon niveau euh, loisirs créatifs. Donc là, j'ai pas encore tourné mes vidéos euh, des, des colos terminés et des et des projets euh, loisirs créatifs terminés. Je me dis que pour une fois, j'ai un petit peu le temps, hein, je peux la tourner euh, bah, la, la veille pour le lendemain. donc... Euh... Autant en profiter, hein, c'est pas, pas tous les mois que je peux me permettre ça. Mais euh, bon. Du coup, je n'ai pas encore fait le bilan, mais moi, j'ai l'impression que le bilan n'est pas, est pas terrible, terrible. J'ai vraiment eu l'impression de, de vivre, de courir après le temps cette semaine aussi, alors que c'est censé être une semaine où, où j'avais le temps. Après, je sais que euh, quand je bossais encore, bah, je courais clairement après le temps parce que. Parce que du fait de mon départ, apparemment, c'était... Euh, ça allait être la merde au boulot, mais tant que j'étais encore là, c'était déjà la merde et j'ai fait énormément, énormément d'heures sup. Donc j'ai un peu couru, oui, après le temps déjà à ce moment-là. J'espère que la semaine prochaine sera mieux. Normalement, pour mon voyage au Japon, ça y est, tout est bouclé. Euh, toutes les formalités administratives pour l'entrée sur le pays et tout, tout est, tout est ok. J'ai plus qu'à prendre le train, prendre l'avion, profiter. Puis bon, j'ai quand même un peu profité. Même si j'ai pas profité pour, euh, pour les loisirs créatifs, j'ai quand même bien profité parce que euh, voilà, j'ai rattrapé le temps, on va dire, avec euh, avec pas mal d'amis. Parce que ces derniers temps, bah, voilà, c'était le boulot avant tout et, euh, et forcément, bah, mes amis, ils étaient un peu tous mis de côté. Donc là, ouais, j'ai pas mal rattrapé le temps avec mes proches. Donc ça, c'est cool. Donc forcément, le temps que je passe avec eux, c'est pas du temps que je passe sur mes loisirs créatifs. Hein. Et cette semaine, si, bah, si, cette semaine, ça va être pareil. Hein. <laughs> je, vais voir, je vais voir mes proches, je vais voir ma famille, je vais voir mes amis. Ça fait du bien aussi en vrai. Mais du coup, bah, le, bilan, le bilan de fin de mois, colo et loisirs créatifs, bah, lui, euh, il n'est pas foufou. Fou. Je sais pas si j'ai bien fait de prendre cette couleur. Ça me paraît trop orange du coup. Hmm. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Je me dis, j'essaye de lui faire une peau sans traces, mais euh, c'est la base de sa peau des traces. Je suis bête. Bon, après c'est vrai que euh, des traces d'aquarelle et des traces euh, de cette euh, dépigmentation euh, de peau, euh, c'est pas tout à fait la même chose. Mais une petite tache, enfin une petite trace, c'est pas justement vu, vu la peau, c'est pas ça qui va poser problème. Ouais. Oh, je sais pas. Ici, j'aime bien la teinte. Mais là, j'aime moins. Mais après, je me dis qu'ici, c'est pas grave. Vu qu'il y aura de toute façon le, le tissu qui va recouvrir. Je sais pas. J'arrive pas à me décider si j'aime ou si j'aime pas cette teinte. Je verrai une fois que j'aurai fini le colo, en fait. C'est un colo que j'avais très, très envie de faire. Qui m'inspirait énormément quand je l'ai sélectionné. j'ai fait le fond parce que enfin, euh, voilà, j'avais l'idée du fond, etc. Et euh, je sais pas pourquoi après, j'ai fait un blocage sur ce colo. Et. Euh... Ouais, j'arrivais pas à m'y remettre dessus. Donc euh, là, c'est pour ça que je me suis dit, euh, allez, je rouvre mon vlog, je le prends, et euh, comme ça, j'arriverai peut-être à... à refaire quelque chose avec, parce que bah, ça aurait... je trouvais ça dommage de ne pas le... Bah, de l'abandonner, surtout que, voilà, j'ai quand même l'objectif de finir ce livre. Donc, euh, finir ce livre égale faire tous les colos, hein on ne pas en abandonner un en cours. Tant qu'il y en a un en cours, il n'est pas fini. Et, euh, et puis en plus, voilà, c'est un colo que j'aime bien, donc euh, je trouvais ça vraiment dommage de... Bah, de bloquer comme ça dessus. Alors après, est-ce que c'était parce que le... c'était le mood hein, du moment C'est vrai que début de semaine, ça a été un peu compliqué. Enfin, je pensais que je serais beaucoup plus euh, pump-up que ça, de me dire, bah ça y est, c'est fini, etc. Alors, euh, pas compliqué dans le sens. Euh, dans le sens, je regrette mon boulot, ça me manque... mes collègues me manquent et tout, en fait, pas du tout. <laughs> Non non, ce... j'ai aucun regret par rapport à mon boulot etc. Mais euh, plus euh, ouais je sais pas, je pense qu'il y a eu le relâchement de pression qui a joué. Je sais pas si vous ça vous fait ça des fois vous relâchez la pression et là bah gros coup euh, gros coup bah pas de blouse mais un petit coup euh, un petit coup de mou quoi. Et je pense que c'était plus ça c'était euh, voilà le bilan de se dire euh, Ouais, je me suis encore embarquée dans un truc qui n'a pas marché quoi. Pourtant, pourtant le projet était beau au départ. Hein. Quand j'ai je, quand je enfin, choisi d'aller là, puisque en fait il y a deux ans, il y a deux ans, j'avais quitté mon ancien employeur parce que ça se passait mal, euh, dans le sens où il me faisait... Euh, il, il prétextait euh, la crise sanitaire. Alors que bon voilà, il y a deux ans, la crise sanitaire, c'était fini quasiment. Il prétextait la crise sanitaire pour nous imposer de revenir, mais à la veille pour le lendemain, ce qui n'est pas légal, sauf dans le milieu médical. Sauf que dans le milieu médical, quand il y a une crise sanitaire, à ce qu'on appelle un plan blanc. Sauf que le plan blanc, normalement, n'était plus d'actualité à cette période-là de l'année. Mais ils avaient réussi à élargir le plan blanc en prétextant que suite à la crise sanitaire, il n'y avait plus assez de personnel, etc. Donc ils étaient restés en plan blanc. Ils avaient réussi à négocier pour rester en plan blanc. Et donc, bah, on nous appelait euh, le vendredi pour nous imposer de revenir le dimanche. Et on nous disait clairement ce n'est pas, euh, je ne vous le demande pas, je vous l'impose. Voilà. Donc euh c'était assez dur à vivre et surtout donc euh, moi il m'avait imposé comme ça pour un dimanche la veille pour le lendemain et surtout bah, mon dimanche il me l'avait jamais payé et après euh, bah, plusieurs euh, semaines à essayer de me battre pour me faire payer je leur avais envoyé euh, bah je leur avais dit maintenant vous me payez mon dimanche ou je démissionne ils m'ont jamais payé mon dimanche à la date euh, butoir que je leur ai dit donc euh, bah voilà j'ai démissionné tout simplement parce que euh, je veux bien crise sanitaire, etc., donner de ma personne, etc. Mais il y a des limites, quoi. Tu ne m'obliges pas à revenir la veille pour le lendemain si, en plus, derrière, tu ne me payes même pas ma journée. Enfin, je suis pas... Enfin, je, à l'époque, je travaillais dans un gros groupe qui qui brasse énormément d'argent. Je ne suis pas là pour être bénévole, clairement. Donc, j'avais posé ma démission et j'avais postulé dans plusieurs établissements, dont la clinique que je viens de quitter qui m'attirait pas plus que ça hein. à la base on va pas se mentir c'était pas euh... c'était pas mon projet pro hein. c'était euh, plus euh, plan B cette clinique et euh, quand j'ai passé les entretiens le premier établissement euh, m'a clairement fait enfin ils ont clairement sorti le red flag euh... ben, vers la fin de l'entretien je crois Oui, c'est ça vers la fin de l'entretien euh, donc voilà l'entretien c'était super bien placé, passé le poste qui me proposait m'intéressait trop enfin voilà c'était vraiment mon plan A quand euh, j'ai postulé et vers la fin de l'entretien euh, elle regarde mon CV et là elle me fait euh, ah je vois que vous n'avez pas d'enfants c'est c'est bien bah, en quoi c'est bien enfin, voilà et euh, après elle regarde et, je, et elle me fait ah puis vous habitez vraiment juste à côté ça c'est vraiment bien c'est pratique <laughs> pardon qu'est-ce que vous entendez par c'est pratique elle fait ah ben bah, oui parce que euh, bah, quand euh, si jamais il y a des, des arrêts de dernière minute ou des choses comme ça, on sait que vous, vous pouvez venir rapidement. Non. Non, non, en fait, non. Enfin, clairement, je ne suis pas disponible H24 pour mon travail, donc non. Donc voilà, gros red flag, bah surtout que je leur avais expliqué pourquoi j'étais partie de mon précédent poste. Hein, donc euh, je pense qu'ils auraient pu s'en douter que là, ça faisait red flag. Euh, que cette phrase pouvait faire red flag et que, voilà. Euh, le médical, enfin le, les infirmiers en tout cas, aujourd'hui, clairement, ce n'est plus nous qui passons des entretiens, c'est les recruteurs qui, euh, qui essayent de se vendre parce que, enfin voilà, on cherche du travail. Clairement, en trois jours, on a trouvé du travail. Aujourd'hui, c'est ça, c'est plus, euh, plus euh, le candidat qui passe un entretien, c'est le recruteur qui, euh, qui passe l'entretien, c'est le recruteur qui essaye de, de se montrer sous son meilleur jour pour, euh, pour séduire le candidat. Et donc, j'avais passé le deuxième entretien le même jour, et euh, voilà, ils avaient, ils avaient commencé direct. Bon, ben, on ne va pas vous mentir, hein, euh, la clinique ne euh, va pas bien, financièrement, c'est la merde, euh, toute la précédente équipe s'est barrée. Euh, a démissionné quasiment en même temps là on est en train de reconstruire une équipe blablabla bla bla. Enfin, ils ont été transparents sur les conditions hein, parce que bah, l'autre l'autre établissement me disait oui nous on n'a aucun problème de recrutement on n'a pas de personnel qui s'en va etc ce qui était impossible puisque euh, aujourd'hui euh, aucun établissement n'arrive à être stable au niveau de son personnel et je savais très bien que c'était pas le cas hein. je connaissais très bien l'établissement dans l'autre établissement dans lequel, lequel j'avais postulé et là, bon, bah, voilà, ils ont été hyper honnêtes, ils m'ont dit, mais euh, justement, l'avantage, c'est que euh, on se retrouve dans un établissement où il y a tout à reconstruire et euh, on veut reconstruire différemment. Donc euh, voilà, ils voulaient créer vraiment euh, un service de soins très différent de ce qui existait. Donc euh, bah, moi, cette idée m'avait euh, beaucoup plu, parce que surtout que j'avais exposé un petit peu mes idées, mes projets, mes envies, et euh, ils avaient l'air totalement emballés. Donc, euh, bah cool, quoi. Envie de dire cool, on y va. Donc, c'est pour ça que j'avais choisi. Et en fait, bah, il s'est avéré que bah, les projets que moi j'avais proposés et tout, euh, bah, ça a toujours été non, c'est pas le moment, non, c'est pas le moment, non, c'est pas le moment. Euh, au moment où je suis partie, euh, bah, voilà, les soins palliatifs, c'était toujours très mal pris en charge. Un patient en fin de vie, on fait oh, bah, non, non, on va pas le garder, il occupe un lit pour rien, on va le renvoyer chez lui. Non, moi, je trouve ça inadmissible. Le patient, il vit seul, on va pas renvoyer une personne en fin de vie seule chez elle. Enfin, clairement. C'est pas notre boule. Enfin, pas ça pour moi être soignant, mais bon, bref. Et euh, enfin, voilà, moi j'avais proposé plein de projets sur les fins de vie, sur les trucs comme ça. Et pff, non, rien. Toujours, euh, toujours des portes fermées, des portes fermées, des portes fermées. Donc euh, voilà, c'était un beau projet, mais euh, bah, ils ne se sont pas donné les moyens de, de répondre à ce projet. Je crois que j'ai inversé là. Bon, c'est pas grave. Ils ne se sont pas donné les moyens de, de faire. Euh, de faire vivre ce projet effectivement c'était bien l'idée qui est tout à refaire qu'il y n'y ait, euh, qu ait plus d'équipe, qu'on reconstruise une nouvelle équipe, une nouvelle dynamique etc mais euh, bah, ils n'ont pas, une... pas su nous laisser, euh, nous laisser suffisamment euh, de moyens pour le faire et ça c'est dommage parce que ça aurait pu être quelque chose de vraiment top et euh, puis bon bah, l'arrivée de ma nouvelle chef euh, l'été dernier ça a été euh, bah, ça a été la fin du truc quoi parce qu'elle, elle a vraiment voulu montrer que c'était elle la chef. Donc tout ce qui venait de nous, c'était refusé d'office. Voilà. Si ça venait pas d'elle, ça n'avait pas d'intérêt. Et je crois que ça, ça a été ça qui a été le plus dur à vivre pour moi. Euh... Voilà. Parce qu'elle est arrivée, ça faisait déjà un peu plus d'un an qu'on était sur certains projets. Et elle a fermé tous les projets parce que ça ne venait pas d'elle. Et elle a... elle a modifié tout ce que nous, on avait déjà mis en place. Et ça, franchement, c'est quand même très dur à, très dur à vivre. Hein. Donc, euh. Donc voilà, aujourd'hui c'est fini. Donc voilà, c'est pour ça que pour tout ça que je ne regrette pas. Je ne sais même pas pourquoi je, je vous parle de tout ça. <laughs> euh, voilà, aujourd'hui euh, c'est fini. Je n'ai aucun regret par rapport à ce poste. Il m'a apporté pas mal de choses, hein. clairement, euh, je ne vais pas mentir. Il m'a apporté euh, des choses positives hein, quand même. Il m'a apporté une stabilité euh, au moment où j'avais besoin de stabilité. Voilà. Clairement, euh, au moment où moi toute ma vie s'est écroulée, il euh, bah, y a deux ans justement. Deux ans, jour pour jour quasi, à deux jours près. Euh, toute ma vie s'est écroulée. Euh, voilà, j'ai tout perdu. Tout, tout, tout. J'ai plus de maison, plus de logement. Euh, je me suis fait foutre dehors de chez moi. Et euh, alors que j'étais propriétaire de la maison, j'entends. Oh, j'ai pas fait son nez. Oh, je vais lui faire le nez blanc, tiens. Euh, ouais, et euh, bah, au moins, j'avais ce travail-là qui était fixe, qui était... Euh, à ce moment-là, ça se passait bien. En plus, euh, on était encore dans la, la phase, euh, ce qu'on appelle lune, l'une de miel, c'est-à-dire où on, on nous permettait encore d'avoir nos projets, d'apporter des choses et tout. Donc, euh, ouais, ça a été euh, très bénéfique pour moi de ce côté-là. Mais euh, voilà, une fois que moi, j'ai recréé ma vie perso, j'ai restabilisé ma vie perso, bah, forcément, j'ai commencé à à faire plus attention à ce qui me déplaisait dans, dans ce boulot. Et puis bah, bah, c'est là aussi que les choses ont changé au niveau du boulot. Hein, on va pas se mentir. Ça, ça a été un petit peu tout ensemble. Je vais prendre ce, celui-ci. Pour euh, le reste, c'est celui-là. Il est un peu plus jaune. Je pense que ça réchauffera un petit peu. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire Je sais plus. Donc euh, oui non il n'y a aucun regret euh, par rapport à ces deux ans mais voilà il a été temps pour moi de tourner la page d'aller voir ailleurs et ben, voilà c'est ce que je fais donc euh, donc non mon petit coup de, de de pas bien en début de semaine c'était pas euh, pas parce que voilà cette page se tourne non non cette page se tourne mais euh, mais c'est pas grave c'est au contraire c'est bénéfique mais ouais je sais pas je pense que c'était beaucoup de pression qui retombait parce que justement bah, sur la fin c'était que de la pression le boulot et euh, J'allais clairement au boulot avec la boule au ventre à me demander ce que ma chef allait encore pouvoir me reprocher aujourd'hui. Enfin, des fois, mais elle avait des sorties, mais je ne comprenais pas d'où ça venait. Quoi. On se faisait, on se prenait des reproches de choses euh, bah, improbables. Donc, euh, ouais. Donc, oui, à la fin, c'était du stress et du stress. J'ai l'impression que ça fait un peu plus jaune que sur mon. Oh non, c'est pareil. Ouais, c'est pas mal. Ça me va. Finalement, j'adore la couleur que ça prend. Je passe du coq à l'âne. Mais du coup, euh, du coup, finalement, heureusement que j'ai pas eu... Enfin, euh, que j'avais euh, j'avais déjà mon lundi qui était pris pour la vidéo d'Amandine. Pour la première d'Amandine. Et je voulais pas faire doublon, sortir mon vlog et la vidéo d'Amandine. J'avais vraiment envie que ça reste euh, bah, la journée pour Amandine. Alors oui, c'est une vidéo qui fait 40 minutes. Enfin, euh, voilà, on peut pas dire que c'est la journée pour, pour Amandine. Mais j'avais vraiment envie de... Enfin, j'avais pas envie que cette journée... Euh, il y a autre chose de ma part que, euh, que la vidéo d'Amandine. Voilà. Ça fait un peu faillotte hein, ce que je dis, mais, euh, mais de toute façon, Amandine ne regarde pas mes vlogs, donc ça ne peut pas être du faillotage. Enfin, je crois qu'elle ne regarde pas mes vlogs, je pense pas qu'elle les regarde. Mais euh, ouais, ça fait un peu faillotte, mais voilà. C'est son événement, c'est euh, un honneur pour moi de pouvoir participer à son événement. Euh, franchement, c'est la seule illustratrice qui, euh, qui permet à des petites chaînes de, euh, de présenter son travail. Oui, clairement, euh, face à, à des grosses chaînes qui euh, bah, Des chaînes moyennes qui ont 2-3 abonnés dans le colo. <coughs> Pardon. Dans le colo, c'est quand même déjà... Enfin, euh, c'est déjà énorme, 2-3 000 abonnés. Mais euh, tu as des grosses chaînes qui ont encore plus d'abonnés. Et euh, Amandine donne exactement... Alors, pas exactement la même chance aux petites chaînes et aux grosses chaînes, dans le sens où il bah, y a les chaînes avec qui elle est déjà en contact depuis longtemps, qu'elle a des vrais liens, etc., qui sont des permanents. Mais euh, ceux qui ne sont pas permanents, c'est pas le nombre d'abonnés qui va compter. C'est un tirage au sort. Et, et voilà, j'ai eu cette chance d'être tirée au sort. Et euh, peu importe le nombre d'abonnés. Enfin voilà, je suis. Euh, Aujourd'hui. Pour cet événement-là, je suis au même niveau qu'une personne qui a 3000 abonnés ou qu'une personne qui a 10 000 abonnés pour la présentation. Et elle ne fait pas de différence dans notre rôle dans la présentation de son, de son livre. J'ai la chance de pouvoir vous avoir fait gagner un exemplaire version PDF, le colo que j'ai mis en couleur, enfin la version PDF du colo que j'ai mis en couleur également en attendant le PDF, la sortie officielle du PDF au même titre que d'autres personnes qui ont beaucoup plus d'abonnés et donc qui permettent une meilleure visibilité à Amandine on va pas se mentir plus on a d'abonnés plus Amandine a une visibilité ben non elle fait pas de différence avec ça et, euh, et ça je trouve ça génial parce que parce que voilà quand on est une petite chaîne on n'a pas l'occasion on n'a pas souvent l'occasion de bah, de présenter euh, de mettre en avant un artiste qu'on aime parce que bah, pour cet artiste, on n'est pas, pas rentable, on n'est pas intéressant. Et ça, il n'y a qu'Amandine qui le fait, qui, qui nous permet d'avoir la chance de, bah, de faire nos, nos groupies, nos faillottes. Est... Ah, si, il y a Bruno. Mais Bruno, je ne le considère pas comme une bébé chaîne, Bruno Art Gallery. Ce n'est pas une bébé chaîne. Donc, euh, donc lui, je ne le mets pas dans la catégorie des, des bébés chaînes, faillottes, groupies, euh, qui, pour qui c'est. Ah, voilà, c'est l'événement d'Amandine, mais pour nous, moi, je le vis comme. Euh, comme un événement enfin euh, comme une chance pour moi de pouvoir participer à cet événement euh, du haut de mes euh, 700 abonnés quoi donc euh, donc voilà il n'y a qu'amandine qui nous permet euh, qui nous permet ça et franchement euh, bah, je trouve ça vraiment top quoi. Et ça montre une fois encore bah, le côté humain d'amandine de se dire bah effectivement il y a des dinosaures qui sont là depuis euh, x années euh, sur youtube. Qui sont accrochés, contenu le coup, etc., malgré tout ce qui peut se passer sur YouTube. Et à côté, il y a euh, des chaînes moyennes qui sont bien ancrées. Et puis, il y a des bébés chaînes qui euh, sortent tout simplement euh, un petit peu euh, leur. Euh, qui, qui, qui sont là, qui barbotent euh, dans, le, dans le pédiluve, si on peut dire. Et. Euh, bah, qui essayent de se faire une place sans essayer de se faire une place. Alors moi, personnellement, je ne cherche pas à me faire une place parmi les dinosaures. Je n'ai pas du tout cette prétention-là. Mais euh, voilà, il y a les bébés chênes qui sont là, qui existent, qui font leur petit, euh, leur petit bonhomme de chemin dans leur coin, qui, et, et Amandine bah, nous, nous, nous permet de, de participer à ce genre d'événement, de, de présentation de nouveaux livres. Et ça, je trouve ça... Euh, je trouve ça vraiment top et... Euh, et donc, bah, pour moi, c'est euh, vraiment euh, double honneur de pouvoir faire ça parce que bah, j'adore Amandine. Je pense que maintenant, vous vous en doutez un petit peu. Euh, et puis, bah, en plus, euh, voilà, c'est quelque chose à vivre de pouvoir participer à ce genre d'événement où on met à, à l'honneur un... un artiste, son travail, pour, euh, bah, pour promouvoir son travail et tout. Et, euh... Enfin, moi, ouais, en tout cas. Oh, J'avais pas vu, j'ai oublié les deux qui sont là. Moi en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui me touche, euh, qui me touche beaucoup. De pouvoir faire ça. Donc euh, bah, je vous le montre pas là. De toute façon, vous l'aurez vu euh, au moment où sortira ce vlog. Euh, vous aurez vu euh, le colo. Enfin, vous m'aurez vu réaliser le coloriage. J'ai galéré pour faire cette vidéo. Punaise le, le destin n'était pas avec moi. Mon téléphone n'a pas arrêté de bugger. D'ailleurs, je vérifie, il fonctionne encore. Comme je suis toujours sur mon ancien téléphone. J'ai dû refaire la vidéo plein de fois. Et euh, ouais, enfin, ça a été compliqué. Mais euh, voilà, je suis. Bon, c'est sûr que quand je vois par rapport à ce que d'autres ont fait, bah, je me dis euh, oui, bah, moi, je suis bébé chaîne. Hein. Je ne suis pas encore à la hauteur de, de ce que certaines font. Bon, en même temps. Euh... Il y a aussi le fait que. Euh, non, il n'y a pas, pas excuse, je suis bébé chêne. Et, euh, et voilà, c'était. Euh, je ne suis pas à la hauteur de, de ce que beaucoup d'autres font. Mais voilà, j'ai participé avec tout mon cœur, avec euh, toute ma motivation. Euh, voilà, j'ai vraiment euh, essayé de faire au mieux, de rendre au mieux hommage à Amandine pour, euh, pour cet événement. Donc j'espère que ça lui aura plu ce que j'ai fait. Et puis, de bah, toute façon, vous aurez vu le coloriage en cours de réalisation dans la vidéo. Vous aurez vu le coloriage dans les coloriages terminés. Donc, je ne vais pas vous le remontrer ici. Là, j'en ai terminé avec la peau de ma petite madame. Euh, bon, c'est un peu plus jaune que prévu, un peu plus rose que prévu. Mais bon, je pense que tout ça, ça va s'équilibrer après quand je vais ombrer au crayon de couleur. Je vais bien laisser sécher avant de passer à la suite. Et puis, bah, moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine séquence. Bye bye. Et recoucou. Nous sommes toujours le 28 avril et là, il est à peu près 15h, un petit peu moins de 15h, sinon vous auriez entendu les croquettes tomber. Et je vous prends pour une petite session d'épée. Bon, je ne suis pas hyper bien installée comme à chaque fois que je fais du d'épée avec la caméra. Ça risque de couper à tout moment pendant que je filme, puisque j'attends l'appel d'un ami qui actuellement est aux urgences et il m'appelle pour que j'aille le chercher. Quand il aura vu le médecin, s'il si, euh, si peut repartir aussitôt, sauf s'il se fait opérer. Voilà, donc euh, je devrais avoir un appel ou, ou des notifications. Habituellement, quand je tourne. Je, comment dire Je mets le téléphone en silencieux et je ne suis pas dérangée par les appels et les notifications. Mais là, comme j'attends l'appel ou la notification, exceptionnellement, il pourrait y avoir des, des bips et des choses comme ça euh, d'audibles. Mais bon, vous m'en voudrez pas, hein. je suis sûre. Bon si vous m'en voulez, bah, tant pis. C'est pas grave, <laughs> ça changera pas grand chose. Donc voilà. Je... C'est la première fois, je crois, que je vous prends cette toile, enfin je fais cette toile avec vous en vlog. Je voulais attendre d'avoir fait euh, la vidéo de présentation, enfin de préparation des diamants avec vous. Donc euh, c'est chose faite, hein. ça y est, elle est sortie. Donc maintenant je peux la sortir en vlog avec vous, je peux la faire en vlog. C'est vrai que c'était pas forcément toujours évident de trouver euh, quoi tourner. Pourquoi il colle pas lui? Euh, quoi tourner sans, sans spoiler mes prochaines vidéos ou trucs comme ça. Donc. Au moins maintenant celle-ci l'est. Je suis sur deux toiles en même temps et l'autre c'est pareil. Je crois pas que je vous l'ai déjà mise dans le vlog. En fait, je ne sais plus. Je ne sais absolument plus ce que j'ai déjà fait avec vous ou pas. C'est terrible, hein? Mais j'avais quand même envie de vous la montrer parce que. Clairement, DAC. J'aurais jamais dû. J'aurais jamais dû commencer une toile DAC. C'est. Si vous n'avez jamais essayé DAC, n'essayez pas. C'est simple. Si vous essayez, vous allez être accro. Et euh... et qui dit accro dit après euh, bah, envie de nouvelles toiles DAC, quoi, tout simplement. Bon, ça va. Il m'en reste encore deux en stock. Donc ça va. Je peux ne pas craquer tout de suite. Mais il faut savoir que là, ils viennent de sortir une image de Randall Sprangler. Donc, Randall Sprangler, c'est lui qui a fait cette, cette image-là. Avec des petits dragons, avec un hibou, avec un dragon de lumière. Enfin, un dragon fait en, en petites étoiles. Je vais craquer. Hein. Je ne peux pas résister à une toile pareille. Clairement. C'est. J'essaierai de, euh, de vous mettre un insert de l'image en question parce que là, euh, décrit comme ça, euh, bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens à qui ça ne parlerait pas. Et même moi, en fait, dit comme ça, euh, je me dis oui, bon, bah, c'est une toile. Quoi. <laughs> Mais il faut savoir que moi, je ne sais pas, j'ai un problème avec les toiles, avec des hiboux. Je les trouve toutes, euh, attention, je dis, chouette. C'était pas volontaire, hein. c'est au moment où j'allais le sortir que je me suis dit ça fait un jeu de mots de merde, autant l'assumer. Mais euh, ouais, je les trouve vraiment superbes à chaque fois que je vois une toile avec un hibou, j'ai envie de l'acheter. Il y a Karat Art qui avait sorti une toile avec une, une chouette blanche en train de voler. Bah, elle était magnifique, j'ai eu envie de l'acheter, j'ai résisté. Je ne connais pas Karat Art, donc euh, j'ai résisté. Ils ont fait une version mystère avec le même, euh, la même chouette. J'ai résisté. Je ne connais pas Karat Art, donc j'ai réussi à résister. Auralois, euh, bon bah Auralois a sorti euh, a sorti une toile de l'Orphelipon avec euh, un hibou magnifique. Il euh, y a euh, l'oiseau, il y a une vaillonnette aussi avec un hibou qui est génial. Enfin ils en ont plein avec des hiboux ou des chouettes. Oui normalement je sais il y a une différence, mais bon moi je... là comme ça euh, la différence ne euh, vient pas à l'esprit. Donc euh... Un hibou, une chouette, enfin un animal qui ressemble à ça. Et euh... Mais je, je résiste hein, à chaque fois. Alors, euh, je résiste. Euh, L'orphelipon, la je l'ai. Je l'ai acheté. Hein, on ne va pas se mentir. Elle est sortie, je l'ai acheté. J'ai craqué. Je n'ai pas réussi à, à résister très longtemps. La vaillounette, euh, je résiste. Les autres qui sont sortis, je résiste aussi. Mais euh, la dac, là... Ça va que ce n'est pas le moment. Ça va que j'arrive à, à, à me raisonner euh, par rapport à, bah, à tous les investissements que je dois faire pour ma future activité. Parce que sinon, moi, je pense qu'elle serait venue rejoindre euh, elle serait venue rejoindre mon, mon stock. Mais mon stock, il explose déjà. Donc euh, après, euh, après, je trouve que je suis quand même plutôt euh, productive niveau DP en ce moment. Enfin, ce mois-ci, beaucoup moins que le, le mois précédent. Mais euh, j'ai l'impression d'avoir fait euh, plus de toiles que l'année dernière. Donc euh, peut-être que mon stock va finalement réussir à descendre un petit peu. Ça me paraît mal barré. J'ai quand même l'impression d'acheter plus de toiles que je n'en fais. Mais, mais peut-être que je vais réussir à me raisonner sur l'achat de toiles. Et donc euh, finir par réussir à baisser mon stock d'ici euh, la fin de ma vie. Qui sait Sur un malentendu, ça peut se faire. Hein. Donc euh... Enfin voilà, je voulais quand même vous montrer cette, cette pure merveille. Donc, bon, là c'est très mal posé. Il faudra que je passe la, le truc comme ça, la raclette, pour bien réaligner les diamants. On voit clairement la délimitation là et il y a un magnifique décalage entre, entre mes diamants. Donc, ça, il faudra que je le fasse pour bien réaligner tout le monde. Mais bon, ça, je le ferai à la fin parce que je pense qu'il y en aura d'autres. Mais vous voyez, il suffit de passer le truc comme ça et on réaligne un petit peu, ça marque un petit peu moins la démarcation. Bon, en général je dis je le fais à la fin et je le fais absolument jamais parce que j'ai la flemme. Voilà. Il faut se dire les choses. Hein. Donc là, je le fais avec vous, comme ça. Je sais même pas si c'est dans le champ. Si c'est dans le champ. Parce que ça se trouve, je fais un truc que vous ne voyez même pas. Il y a juste mon bras activé. Voilà, ça réduit un petit peu l'écart que j'avais à cet endroit-là. Si je ne suis pas sûre que ça réduise vraiment beaucoup, beaucoup. On le voit toujours un peu, mais un peu moins, je trouve. Hmm. Voilà. Bon, moi, je le vois toujours. Bon, je pense qu'il y aura moyen de réduire ça. Et, euh, donc, je disais, ce genre de toile, euh, ce qui est génial, c'est qu'on a des zones de blocs, comme vous pouvez le voir. Et euh, voilà, là, on a un petit bloc, un petit bloc. Et euh, des zones, euh, entre guillemets, plus confettis, mais ça reste toujours des lignes. On a toujours euh, plusieurs diamants les uns à côté des autres. On n'a jamais, euh, je dis ça, ici, on a un diamant isolé, mais ce n'est pas pareil puisque en fait c'est ses yeux donc forcément il n'y a qu'un seul point blanc dans ses yeux mais mais la plupart des zones on a quand même plusieurs diamants à pro, les uns à côté des autres même quand on a un effet un peu comme ça ici c'est une zone plutôt confetti pour du dac et c'est même pas confetti parce que bah voilà on a quand même toujours une petite zone complète avec la même teinte c'est pas un diamant par ci un diamant par là etc 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 donc euh, ça ça rend vraiment la pose euh, la pose très confortable très agréable le truc là. Et, euh, et ça, j'adore. Euh, franchement, les diamants sont super bien taillés. Bon, là, je peux pas vous montrer parce qu'il y en a qu'un à chaque fois, mais euh, enfin, si je vais vous montrer, mais euh, voilà quoi. Il n'y a aucune difficulté à en prendre trois ou quatre en même temps. Bon, la difficulté, elle est dans le fait que voilà, je vous l'ai posé là et que euh, je suis pas assez douée pour ça. J'arrive à les poser à la verticale, mais je ne sais pas poser en multi à la pince en horizontale. Donc ça, c'est un autre problème. Ça n'a rien à voir avec, euh, avec la compagnie. Ça, c'est euh, la personne qui tient la pince et qui tient la pression de la pince. Donc ça compte pas. Mais franchement, ouais, J'adore. Je... J'adore, j'adore DAC. Voilà, il faut le dire ce qui est, j'adore. Donc euh, je ne fais pas euh, d'infidélité à Aurallois. Hein. J'ai toujours plein de toiles Aurallois et. Et la plupart des designs que j'aime sont chez auralois Mais il faut quand même reconnaître qu'il euh, qu y a quelques designs chez Dac qui me plaisent beaucoup et, euh, et, et qui me donnent envie de céder à la tentation. Surtout les Randall Sprangler. J'adore. Même si j'adore ces toiles-là, euh, je ne pense pas que euh, j'aurai toute la collection. Enfin, j'en achèterai 150 000. C'est des toiles que je vais faire, que je vais prendre plaisir à faire, mais je ne vais rien en faire derrière, clairement. Je ne vais pas les afficher chez moi. Je ne vais pas... Euh... Alors qu'il y a des toiles d'Oraloa que j'imagine très bien pouvoir euh, pouvoir afficher chez moi. Mais les DAC, enfin euh, celle-là, non, clairement, je vais la faire, je vais prendre plaisir à la faire et elle va rejoindre euh, bah, les toiles terminées dans le carton de toiles terminées. Donc ce côté-là peut m'aider à me raisonner un petit peu aussi sur l'achat de, des toiles DAC, de me dire oui, bah, c'est bien beau, je la fais, mais j'en fais quoi derrière Bien que euh, une fois que j'aurai fait euh, toutes les toiles que j'envisage pouvoir accrocher chez moi, parce qu'il y en a quelques-unes que j'aimerais accrocher, euh, bah, c'est pareil. Hein, la question pour les autres euh, va être la même. C'est euh, oui, j'en fais quoi Bah rien. Donc peut-être que effectivement, ça m'aidera à... à moins acheter de toiles, de raisonner comme ça, de me dire bon, ok, cette toile te plaît, mais que vas-tu en faire une fois finie Bon, ça va pour le moment, j'en ai pas beaucoup, beaucoup, mais je commence à en avoir plutôt pas mal. Et mon carton à dessin il commence à être un peu étroit, hein. donc, euh... sachant que là, bah du coup, en ce moment, j'en ai deux en cours et en même temps, deux nappes donc celle-ci qui fait 70 par 70 et euh, l'autre qui fait 65 par 90 cm. Voilà, deux petites nappes, une en carré, donc celle-ci en carré et l'autre en rond, et au final, bizarrement. Quand j'ai commencé à faire l'autre en rond, euh, ça m'a surpris. J'ai eu l'impression que je ne savais plus diamanter en rond et qu'il était plus facile de faire de la pose de diamant carré que de la pose de diamant rond. Il m'a fallu vraiment un temps d'adaptation pour repasser sur du rond et arriver à faire une pose ronde à peu près jolie et confortable et, euh, et détente. Parce que franchement, j'avais l'impression de devoir réfléchir à chaque pose de diamant. Enfin, c'était compliqué, c'était galère. Donc euh, moi j'entends partout dire que la pose ronde c'est plus rapide, c'est plus facile, etc. Et j'ai envie de dire, bah ça dépend, parce que quand on a l'habitude d'une pose carrée, alors effectivement, hein, tout dépend de la pose carrée aussi, mais euh, voilà, j'ai l'habitude des poses carrées Auraloa version 2, et ensuite je suis passée sur la DAC. Comment dire qu'on bah, a l'habitude d'une pose carrée hyper facile Le seul truc, c'est euh, à la rigueur, c'est les confettis, quoi, qui peuvent être difficiles. Mais quand on a une toile comme ceci qui est pas confetti avec des blocs et tout, bah, le carré c'est hyper facile. Une fois qu'on a posé les premiers diamants droits, bah franchement, on se pose pas trop trop de questions. Oui, il y a des petits écarts, il y a des choses comme ça parce que parce qu la pose parfaite n'existe pas et que nous-mêmes, enfin, la découpe parfaite des diamants n'existe pas et que euh, nous-mêmes, enfin, on est humain, on n'est pas on va pas poser le diamant au, micro, au micron près euh, à chaque fois et donc forcément ça fait des écarts. Mais il euh, bon, y en a quand même. Bon, à part ici, si on regarde pas ici, il n'y a quand même pas, pas des masses d'écarts des masses Pourtant je suis loin d'avoir une pose excellente comparée à d'autres. Il euh, y en a plein qui font des poses extraordinaires. Bon, moi c'est pas le cas, mais euh, moi ça me convient. Sur ce genre de toile clairement, euh, ça me convient parfaitement. Et vous voyez euh, ouais, les diamants. Bon, bah là, c'est des petites zones, donc euh, je ne les prends que 3 par 3. Mais euh, il m'arrive pour certains endroits de réussir à en prendre 5 d'un coup avec euh, des, diamants, euh, des diamants DAC. Auralewa, euh, je crois que j'ai déjà réussi à prendre euh, 5, mais la plupart du temps, je m'arrête à 4. Bon, DAC, euh, je m'arrête à 3 ou 4 aussi, hein, la plupart du temps. Mais de temps en temps, un petit challenge à 5. Euh, pourquoi pas, quoi Pourquoi pas, pourquoi pas Bon des fois même à deux j'y arrive pas. Mais là après c'est pareil, hein, ce n'est pas que la, la coupe des diamants, c'est aussi la pression qu'on met sur la pince. Euh... Il enfin, y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Mais, euh... Mais ouais, depuis que j'ai commencé la DAC, je, je n'arrête pas. J'ai envie de diamanter tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je ne dirais pas que ça, ça devient mon, mon loisir principal parce que je préfère... Du... Enfin, c'est le colo quoi c'est le colo et ça restera le colo et ça sera toujours le colo j'ai envie de dire mais euh... mais je dois quand même reconnaître que j'ai beaucoup plus de mal à passer une journée sans diamanter que une journée sans colo mais ça c'était avant c'est-à-dire à... quand euh... Quand je travaillais dans la clinique et que je faisais mes, mes journées de 12 heures et que je rentrais le soir complètement crevé, c'est plus facile de se mettre devant son DP et poser 5-6 diamants que de se mettre devant son colo dans ces conditions. Donc c'est pour ça aussi que jusqu'à présent je n'ai pas passé une journée sans DP alors que je pouvais passer des journées sans colo. Parce qu'effectivement quand je me mets sur un colo, bah là je l'ai bien vu ce matin, quand je me mets sur un colo bah c'est une heure, deux heures. Quoi. Et quand je rentre crevé du boulot, j'ai pas une heure, deux heures devant moi pour me poser. Ah, attendez. Bon, j'ai eu la notification. Euh, ça va comme maintenant j'ai deux téléphones. Au final, <laughs> ça n'a pas coupé celui qui, qui filme. Euh, du coup ouais je vais pouvoir finir mon ma couleur là et puis après je vais vous laisser je vais pouvoir y aller je vais devoir y aller donc, euh, donc bon, je finis quand même ma petite couleur avec vous et qu'est ce que je voulais qu'est-ce que je disais je ne sais plus je ne sais plus je ne sais plus c'est pas grave Je termine ça, mais ouais, franchement, ouais, j'adore DAC, j'adore, j'adore, j'adore. Mais euh, voilà, j'ai trois, enfin, euh, il me reste deux toiles en stock de chez DAC, une ronde, une carrée, je crois, si je ne dis pas de bêtises, et bah euh, ben, c'est pas prévu pour tout de suite. Là, donc j'ai celle-ci en cours, euh, j'ai mon autre toile de chez Oraloa en cours, donc c'est une version 1. Et a priori, euh, je vais faire un trio à partir de septembre avec Clara de la chaîne Clara ClaraDP et une de ses abonnées sur une toile d'Oraloa qu'on a toutes les trois et qu'on a toutes les trois envie de faire. Et je pense qu'en parallèle de cette toile, euh, bah je continuerai à avancer mes toiles en version 1 de chez Oraloa parce que c'était vraiment mon objectif d'essayer de les avancer au maximum avant la fin, enfin de les finir avant de repasser aux, aux toiles version 2. Donc bon, je ferai une entorse pour euh, Cœur en fleurs de l'Orphelipon, du coup. Je vais faire cette petite entorse-là. Et puis... Euh... Mais euh, ouais. Cœur en fleurs, donc on va la faire euh, un rythme à 3. Donc euh, ça va pas être la toile principale. Et puis, euh, bah, je, vais, je vais essayer d'avancer mes... Tiens, j'ai oublié des cases là. Je vais essayer d'avancer mes, mes versions 1. Donc euh, possible que je prenne... Euh... Que je prenne la sorcière de Vaillunette en version 1, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. En tout cas, celle-là, je pense que je vais. Euh... Je vais dire, je vais finir dans l'été. Non, pas forcément, mais. Euh... Non, je ne vais... pense pas finir dans l'été. Parce que là, j'ai mis une semaine, deux semaines. Là, ça fait deux jours que je suis dessus. Je pense finir cette bande-là avant de partir au Japon. Et après, bah, quand je reviendrai, voilà, elle n'aura pas non plus avancé, donc euh, j'aurais même pas fait la moitié euh, avant fin mai, et l'autre euh, bah, il y a 90 cm et j'ai fait 10 cm, il y a de quoi faire encore. Donc j'ai à peu près encore 9 semaines de travail sur l'autre, et celle-ci il me reste 4 semaines et demie de travail à peu près, si je regarde le même rythme que jusqu'à présent, que le jusqu'à présent le rythme quand je travaillais, je précise. Donc, euh, donc les deux ensemble, hein, on peut dire que j'en ai pour trois mois. Trois à quatre mois pour les deux ensemble. Mai, juin, juillet, août. Ouais, bah si ça nous amène pour septembre. Donc pour septembre, je commencerai cœur en fleurs et puis je commencerai euh, une autre toile en version 1 en parallèle. Je ne sais pas encore laquelle, on verra bien. Donc voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Euh, moi, je vais y aller et puis euh, ben, je pense vous retrouver euh, soit un petit peu plus tard ce soir, soit, euh, soit demain ou après-demain, enfin dans les jours à venir. De toute façon, là, c'est le petit vlog euh, avant mon départ au Japon. Donc, euh, il y aura aussi euh, les préparatifs, euh, etc., que je partagerai avec vous. Mon petit sac à dos euh, loisirs créatifs pour m'occuper dans l'avion. Et moi, je vous dis bah, donc euh, à très bientôt dans une prochaine séquence. Bye bye. Hello hello, nous sommes le mardi 30 avril, il est à peu près 17h et je vous prends pour une petite séquence. À la base je ne pensais pas que j'aurais le temps pour une petite séquence aujourd'hui puisque euh, voilà c'est mon anniversaire aujourd'hui, ce midi je voyais des amis, ce soir aussi, enfin voilà, donc grosse journée, hein, bien occupée, mais euh, petit temps pour moi dans l'après-midi. Et euh, il me tenait vraiment à cœur de terminer, euh, de terminer ma femme bicolore dans le Frix. Et euh, bah, c'est vrai que j'avais l'impression que n'arriverais pas à la finir avant, euh, avant de, de, partir, de partir à la fin de la semaine. J'avais pas spécialement envie de la finir avant... Ma vidéo des colos terminée, ça, bon, c'est pas une échéance importante pour moi, mais j'avais pas envie qu'elle soit en cours avant avant que je parte et euh, bah du coup, ça me stresse, ça me stressait, enfin, stressait c'est un bien grand mot, hein, je ne me stresse pas pour du colo, mais euh, je me mettais un petit peu la pression dessus et en, et en mettant la pression, bah, du coup, je me bloquais aussi un petit peu et puis là, bah je sais pas, avec le côté, le fait d'avoir passé un, un bon moment ce midi avec mes amis d'être détendu, d'avoir bien mangé et tout ça, bah je sais pas, j'avais besoin de me poser. Euh, comme j'avais fait du DP ce matin, je bah, j'avais pas particulièrement envie de me remettre sur mon DP, donc je me suis mis dessus sans trop me poser de questions. Et voilà, du coup euh, je l'ai fini et euh, bon j'y ai passé à peu près deux heures quand même, mais euh, bah il n'y avait pas de raison de me mettre la pression, à avoir peur de pas réussir à la finir. On n'est que mardi, je pars dimanche. Alors effectivement demain je suis pas chez moi, samedi non plus, mais enfin euh, voilà, j'étais large. Et euh, bah du coup, il me reste encore un peu de temps devant moi avant de rebouger ce soir. Et euh, bah, la question que je me posais, c'était, est-ce que je commence un nouveau colo avec la même problématique de, je n'ai pas envie de partir avec un colo en cours parce que je ne sais pas, est-ce que j'arriverai à le reprendre après deux semaines de pause, etc. Alors que si on réfléchit bien, hein, euh, la femme bicolore, je l'ai commencé en début de mois, je l'ai repris en fin de mois, il s'est bien passé deux semaines. C'est vraiment le côté psychologique, je ne serai pas chez moi, je ne pourrai pas l'avancer si j'ai envie. C'est purement psychologique, c'est un peu bébête, mais c'est comme ça, je fonctionne comme ça. Et je me suis rappelé que j'avais lui, qui, que j'ai abandonné depuis un certain temps. Voilà, c'est vrai que ça fait un petit moment que je suis pas allée dedans. Euh, j'ai terminé donc la partie, donc c'est une quadruple. Alors j'ai terminé, façon de parler. J'ai fait la deuxième étape de crayon sur les deux pages de droite. Et euh, bah là, j'attaque la deuxième étape de crayon pour l'arbre sur les deux pages j'ai fait les deux pages de gauche, pardon, et là bah, j'attaque les deux pages de droite. Donc euh, je vais essayer de faire euh, cette étape là aujourd'hui. Et puis euh, bah, en fait, peut-être que je vais essayer de me concentrer euh, sur celui-ci euh, jusqu'à mon départ plutôt que d'en commencer un autre. Je pense que de toute façon, je n'arriverai pas à commencer un colo à moins que euh, le colo du Summer Night euh, m'inspire bien et que je pense pouvoir le réussir en, en peu de temps. Parce que des fois, il y a des petits colos qui sont sélectionnés et, euh... et je sais que c'est des colos que je vais réussir à faire en, une... en un jour ou deux. Mais euh, au vu des... des propositions, je pense que ça ne sera pas le cas. Donc. Euh... Il est bizarre cette ba... cette bannière. Ouais. ouais. là aussi, il y en a une double. Oh, c'est bizarre. Je ne me souviens plus hein, de. De la, pyra... de la pyramide. Oh là là. Ouais, je suis fatiguée. J'ai un gros gros coup de barre là. Je ne me souviens plus de la tapisserie euh, des plaques. J'allais dire des Sparks. Non, mais là, vraiment. En plus, le Sparks, c'est les aquarelles. Stark, c'est euh, Game of Thrones. Je mélange tout. Tout, tout, tout. Ça ne me réussit pas. Hein la vieillerie. Euh... <laughs> je prends un coup de dieu. Donc voilà, je me dis, à moins que voilà, dans les colos sélectionnés, le. Le Clara est quand même assez complexe. Il est sympa. J'aime beaucoup le, le Clara du Colorian, le Little Secret from My Fairy J'aime beaucoup celui qui a été choisi. Mais euh, je ne me vois pas la, le commencer aujourd'hui et puis partir et les reprendre et revenir. Donc... Euh... Donc voilà, je me dis que c'est pas mal de pouvoir... Euh, d'avancer de de, un petit peu celui-ci. Surtout que c'est mon petit challenge, euh, bah, une quadruple en 2024. On arrive quand même... Euh, on n'est pas encore à la moitié du mois, mais bon, on a déjà fait un tiers de l'année. Et euh, bon, on ne peut pas dire que j'ai fait un tiers du colo. Hein. <laughs> pas du tout, du tout. Hein. Je, suis, je suis très, très à la bourre de, de mon programme. Bon, de mon programme. Après, je ne m'étais pas mis de pression. Hein. C'était euh, surtout pour débuter le livre en 2024. Maintenant... Euh... Ça serait bien que j'arrive à la finir, que je ne la fasse pas durer sur 10 ans cette, euh, cette page. Parce que l'idée, c'est que je débute le livre et qu'ensuite euh, bah, j'arrive à aller dans d'autres colos. Donc euh, pour le moment, ce n'est pas le cas. On va pas se mentir. Pour le moment. Euh... Bah, pour le moment, j'ai débuté celle-ci, mais euh, je suis allée dans aucune autre page. Et je pense que malheureusement, tant que celle-ci ne sera pas terminée, bah, je n'arriverai pas à penser à ce livre pour autre chose que pour cette page. Donc, euh... C'est pour ça, ça va faire du bien de l'avancer. Je pense que je vais me faire une toute petite pack. De toute façon, au moment où vous verrez ce vlog, vous aurez déjà vu ma pack. Et ouais, je pense que je vais me faire vraiment une toute petite pack, juste les fils rouges et euh... les fils rouges et celui-ci. Ouais, j'ai vraiment envie d'essayer de l'avancer. En fait, je l'intègre pas dans ma pack à chaque fois parce que je sais que je vais pas le finir. On va pas se mentir, hein. je vais pas le finir en un, finir en un mois celui-là. Enfin, je pourrais si je prenais que lui en vrai, mais euh, je pense que ça me dégoûterait plus qu'autre chose. Là, tel que je le fais, c'est pas mal, je trouve. Et euh, ouais, essayer, euh, essayer de finir la partie arbre et faire le fond aussi. Et pourquoi pas un personnage ou deux, mais après, euh, les personnages, ça va être tellement, tellement long. Il va falloir que je trouve une image de référence pour les personnages parce que là. J'avoue, ça fait longtemps que je n'ai pas, euh, pas revu tout ça. Donc, je ne m'en souviens plus. Voilà. Parce que moi, je suis un très, très bon public avec une mémoire de poisson rouge. Donc, quand je regarde un film, je le redécouvre tout le temps. C'est très bien, hein, parce que du coup, quand j'aime un film, eh ben, je sais que je vais le redécouvrir et que je vais le re-aimer. Et, euh, et j'ai beau me rappeler de certains grands éléments clés du film. Ben. Je, je redécouvre toujours des choses où, où je me dis ah ouais non sérieux ils ont fait ça voilà là il y a eu euh, c'était quand dimanche je crois il y a eu le troisième volet des animaux fantastiques bon je l'avais déjà vu bah j'ai redécouvert des choses bon des choses où je me suis dit euh, sérieusement <laughs> c'est un petit peu parti pris ça hein euh, bon après voilà on sait que il euh, y a l'œuvre originale et puis il bah, y a ce que les réalisateurs en font, hein. faut, faut pas trop euh, chercher à toujours coller euh, mot pour mot euh, au texte premier. C'est vrai que la première fois que j'ai vu les Harry Potter, les films, comme j'adorais les bouquins, j'ai pas aimé les films parce que euh, parce qu ne retrouvait pas plein de choses que j'aimais dans, dans les bouquins, quoi. Puis bon, après j'ai appris à m'en détacher et à me laisser emporter par la magie du film. Mais c'est vrai que la première impression sur les films, c'était que bah, c'était hyper hyper, nia, hyper superficiel par rapport au bouquin. Mais bon, non, maintenant depuis, ça va. Je, je me suis détachée de ça et euh, je préfère quand même les bouquins. Mais, euh, mais j'aime bien les films quand même. Par contre, c'est vrai quand ils ont annoncé une série qui serait beaucoup plus fidèle au bouquin... Il y en a beaucoup qui étaient là euh, non Harry Potter c'est uniquement le film il n'y aura jamais rien d'autre etc bah moi j'étais j'étais contente parce que parce qu'il y a tellement de points qui sont pas abordés dans les films et qui sont géniaux que que ça enfin voilà je trouve ça je trouve ça chouette je trouve ça vraiment chouette que qu'ils aient décidé de faire ça parce que bah, voilà ça permettra aussi à ceux qui n'ont pas lu les bouquins bah, de découvrir encore tout un aspect, euh, tout un aspect de l'histoire qu'ils ignorent. Donc, euh... Donc ça ne peut que être bénéfique. Après, c'est vrai que si on ne faut pas non plus, euh, bah, voilà, comme pour le principe de quand il y a un livre et, euh... et une adaptation, il bah, faut accepter qu'il y ait euh, des choses qui évoluent, qui changent, qui... Et donc bah, l'histoire ne sera pas tout à, fait, tout à fait la même. La finalité sera la même, hein, il se passe la même chose. Mais il y a... on va dire que le chemin est un peu différent. Mais c'est pas plus mal. Voilà, ça va me donner envie de les relire. C'est dommage, je les ai pas en, je les ai pas en, en... en liseuse. Moi j'ai la... la, version Fnac, je crois que c'est Kobo Fnac. Et ouais, je les ai pas. Et euh... bon, je pourrais les acheter. Hein. Clairement, je pourrais, mais euh, je me dis, j'ai déjà trois éditions. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter une quatrième édition en version numérique pour pouvoir l'avoir sur ma liseuse C'est dommage que quand on possède une édition physique, on ne puisse pas accéder à une édition numérique avec. Ça serait bien, parce qu'on bah qu n'a pas toujours les moyens, enfin les moyens façon de parler, mais on n'a pas toujours la capacité d'emmener bah, ses livres avec soi. Enfin, ses livres physiques. Et, euh... et donc, bah. Comme ça, quand on part en voyage, on peut emmener sa petite collection d'Harry Potter partout où on va, pour une petite envie de, de relire Harry Potter. Mais bon, bon, je trouverais bien un autre livre. Mais ouais, ça me redonne envie de les relire, là. Bizarrement. D'ailleurs, en parlant de livres, euh, je viens de finir... Ça faisait un moment que j'avais commencé. Hein. Je l'avais commencé euh, l'automne dernier, l'hiver dernier. Mais j'ai mis énormément de temps à le lire. L'écorché, donc c'est euh, le deuxième. Euh, la suite du chuchoteur de Donato Carizzi. J'avais adoré le chuchoteur. Et euh, bah, du coup, euh, bah, j'ai forcément eu envie de lire la suite. Et euh, bah, ça vaut pas le chuchoteur, clairement. Il y a le, le début est pas mal. Enfin, l'intrigue principale est pas mal, mais euh, quand on a lu le chuchoteur, on s'est pris, euh, on s'est fait retourner dans tous les sens, on s'est fait retourner le cerveau dans tous les sens, et, euh, et là, je trouve que au moment où vient ce fameux point où on est censé être ballotté dans tous les sens, bah non, c'est euh, voilà, gros retournement de situation. Donc là, on s'attend à en prendre plein à la tronche, et ben bah, non. Gros retournement de situation, mais tiens, voilà les clés pour, euh, pour résoudre le problème, et puis vas-y, c'est tout droit, quoi. Ça m'a un petit peu déçu. J'aurais aimé que ça soit un peu plus... Euh, un peu plus tordu, on va dire. Mais bon. C'est pas grave. Et puis, euh, la fin, elle est... Elle est chelou. La fin laisse euh, trop de portes ouvertes. Moi, j'aime bien quand une fin, elle est finie, quoi. La fin de, du Chuchoteur, euh, voilà, c'est fini, ça conclut, ça l'histoire. Conclut Alors, euh, je, sans spoiler, ça conclut l'histoire en laissant une porte ouverte. Euh, bah là, la fin, ça laisse juste toutes les portes ouvertes. Vraiment toutes les portes ouvertes et bon, voilà, je suis moins fan. Donc il y en existe un troisième volet qui est l'Égaré. Donc je pense que je vais, je vais quand même le lire parce que peut-être que ça répond. Aux questions laissées par les 60 portes ouvertes de la fin, ou ça se trouve ça part de complètement autre chose parce qu'a priori le personnage principal de, euh, du chuchoteur et de l'écorché n'est pas dans le troisième. Donc euh, je vois pas trop comment ça pourrait répondre aux questions laissées à la fin. Je ne sais pas, c'est très bizarre. Je vais fixer ça tourne toujours. Ouais. Très, très bizarre mais bon je vais le lire mais bon c'est pareil c'est pas lui que je vais emmener parce que je ne l'ai qu'en version euh, en version papier et euh, bon après c'est pas c'est un livre qui est pas très très gros mais bon, si je peux euh, si je peux essayer de prendre quelque chose de plus fin quoique un seul livre pour deux semaines ça peut suffire je pense je pense pas que je vais beaucoup avoir le temps de lire sur place ça, ça va être plus pour euh, les temps de trajet les transports les trucs comme ça quoi les temps d'attente interminables à l'aéroport. Mais ouais, peut-être que je vais prendre lui. Il est pas gros. Je vais voir. Faut que je regarde ce que j'ai dans ma liseuse. Que je fasse un choix. Parce que je me dis aussi, euh, si ma liseuse n'a plus de batterie, alors je pourrais toujours recharger. Mais... Euh, ça veut dire qu'il faut que j'emmène un câble supplémentaire parce que c'est pas le même câble que mon téléphone. Bon après les câbles, c'est rien. C'est juste que. Ouais. Je pense que le livre, il ne prend pas beaucoup, beaucoup plus de place que la liseuse en vrai. En tout cas, en, en termes de poids, il prend un petit peu plus de place. Mais en termes de poids, non, je vais prendre le bout. Bon, là, je vais regarder. Je ne sais pas. Il faut, faut que je vois. faut que j'étudie la question. Ça fait partie des innombrables questions que je dois étudier encore par rapport à mon voyage. Mais je vous balade dans tous les sens. C'est où, c'est là. Voilà. Alors je m'avais préparé mon petit combo pour, euh, pour cet arbre, sauf que bah, depuis le temps que je l'ai débuté, euh, comment dire que mon post-it avec le combo s'est envolé et je ne sais absolument pas où il est passé. Donc euh, ça va parce que ce crayon là j'avais intelligemment laissé euh, je intelligemment laissé en dehors de la trousse. Donc je savais lequel reprendre, mais euh, pour le plus clair, je ne sais absolument pas ce que j'avais prévu. Mais c'est pas grave, on va faire le choix ensemble. Hein. À moins que. Non, il n'y a pas l'air d'avoir de combo qui traîne ici ni là. Et j'en ai pas dans les pages et euh, sur mon nuancier non plus. Donc euh, je pense que le combo euh, a disparu. Euh, du coup, celui-là, c'est le 283. Avec mon magnifique nuancier tout gris bouillé. Et le 283, il est là. Donc il y a des chances que j'étais partie sur un petit 182. Il hein. n'y a pas plus clair que ça. Mm. 180. J'arrive pas à trop voir lequel des deux entre le 182 et le 180, lequel est le plus clair. Oui. Bon, on va dire 100. Pff, bon, c'est rien. Allez, le 180. J'ai vendu. 180. Alors... Je regarde dans ma trousse aussi des fois que je l'ai mis dans la trousse. Non. Allez, tac et tac. Oui, il va là. Et donc, ouais. je sais pas, le 182 est peut-être un peu plus clair sur le, sur le truc. Bon, non, j'ai dit 180, je reste sur ma première impression. Allez, 180, c'est parti 180. Et du coup, un petit tour de crayon. J'attaque enfin la troisième, euh, la troisième couche de mes arbres. Et après, je pourrai aquareller tout ça et commencer le fond. Alors le fond, peut-être que je vous le ferai en vidéo. Je ferai peut-être un essai sur une page et ensuite, euh, si j'arrive à faire ce que je veux, euh, vous faire une petite vidéo pour le fond. Puisque je vous avais dit que je vous ferais un journal de bord pour, pour ce colo. Et en fait, euh, pas du tout. <laughs> je ne l'ai pas fait. Donc, euh, peut-être quand même faire des petits points avancés avec vous. Genre le fond, j'ai commencé l'arbre avec vous. Bon, je ne vais pas le finir avec vous, je pense pas. Ou alors peut-être sur le vlog, je sais pas. Je ne sais pas du tout, mais euh, ouais, une fois que l'arbre sera fait, euh, pourquoi pas faire un petit bout de fond, un petit bout de fond avec vous. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner euh, les Albrecht d'ureur sur ce sur ce livre. Je sais que Maëva, elle avait utilisé les, euh, les comment ça s'appelle, les Derwent euh, Intense mais euh, bon moi je les ai pas. <laughs> donc je fais avec ce que j'ai. Donc c'est-à-dire les euh, les Albrecht. Les Albrecht Dürer. J'ai d'autres crayons aquarellables mais j pas j'avais envie d'utiliser les Albrecht Durer parce que c'est vrai que ça fait euh, ça fait un petit moment que je les ai, je les j'ai pas encore pris l'occasion de les utiliser donc euh, ce colo m'a l'air d'être plutôt un bon compromis pour les utiliser. En plus ce euh, ce qui bien, est bien c'est que on peut les utiliser enfin même là à sec, je trouve que le rendu est déjà pas mal. Avoir à à aquarellé ce que ça donne, surtout que j'ai fait mon nuancier pas du tout aquarellé. Parfait. <laughs> Donc je sais pas, j'espère. Enfin, y en a qui disent qu'ils perdent de la pigmentation en étant aquarellés. Pourtant, normalement, les crayons de couleur aquarellables, bah, ils se révèlent avec l'eau. Donc je ne sais pas du tout. Ça va vraiment être un test, un essai. Hein. Au pire, je repasserai, je retravaillerai au crayon de couleur aussi. Hein, J'ai le temps. Ce colo, ça va être le colo. Euh, le colo sur la durée. C'est le colo marathon. Il va être long, mais on prend son temps. Et le but, c'est d'arriver au bout, pas d'arriver le premier. Mais en vrai, il fait peur, mais il n'est pas si compliqué que ça. Hein. C'est juste que, ben bah voilà, comme. Euh, comme je ne me suis pas mis d'échéance, bah, c'est toujours celui auquel je pense en dernier. Mais, mais voilà, là, qui... alors j'ai pas fini ma pack. Hein. C'est juste que je ne me sens pas de redébuter une nouvelle pack, enfin de débuter un nouveau colo. Mais, euh... mais ouais, en général, c'est juste que je préfère euh, bah, faire des colos qui me donnent l'impression d'avancer plutôt que... que de faire quelques coups de crayon dans celui-là et avoir l'impression que bah, à la fin du mois, quand euh, je fais mon, mon bilan j'ai l'impression de pas avoir fait de colo enfin pas avoir vraiment fait beaucoup de colo quand, euh... quand j'avance celui-ci mais j'ai pas enfin, pas de colo à vous montrer quoi c'est un peu con parce qu'au final je colorais exactement pareil que je fasse celui-ci ou que j'en fasse un autre mais euh... mais ouais c'est c'est psychologique voilà, c est, c est, cette pression de la vidéo des colos terminée. Il faut avoir quelque chose à montrer. Alors qu'en vrai, euh, bah, si j'ai passé mon mois sur celui-là et que je ne l'ai pas fini, bah, c'est pas grave, je ne fais pas de vidéo des coloriages terminés, c'est tout. Hein. Donc là, vous l'aurez déjà vu, je ne sais pas combien j'ai fait de color. J'ai l'impression de ne pas avoir colorié beaucoup ce mois-ci. Donc euh, ça, doit être, ça va vraiment être une toute petite. Mais ce pas grave, c'est comme euh, ma vidéo des projets, hein. Elle va être toute petite euh, parce que bah, j'ai pas fait grand chose. <laughs> j'ai pas l'impression d'avoir fait grand chose, donc euh, bah, c'est comme ça. Et en mai, ça sera encore plus petit. Parce qu'en mai, euh, ouais, j'aurais j'aurai bien mieux à faire. Bien que j'adore hein, faire des, des loisirs créatifs, mais là, ouais, clairement, ça ne sera pas le mois tourné sur les loisirs créatifs. Bon, une fois qu'on a fait la première, euh, la première couche, euh, celle du brun foncé, euh, les autres ça va assez vite en vrai, hein, je trouve. Celle-ci, bah, celle c'est la plus facile en hein, même temps. Hein, euh, on remplit les trous et puis euh, la plus foncée, c'est la plus dure parce que c'est celle qui va apporter les nuances foncées. Et celle du milieu, elle suit la plus foncée. Mais là, j'ai déjà l'impression que la plus foncée disparaît. Donc, je pense qu'il faudra quand même que je refasse une couche, euh, une couche de foncé pour ombrer quand j'aurai aquarellé. Je pense que j'ai pas mis assez de, assez de foncé. J'ai été trop timide avec le foncé. Comme très souvent d'ailleurs. C'est pour ça qu'en général, je commence par le clair et euh, je termine par le foncé, ou alors je fais euh, clair, foncé, clair, parce que quand je commence par le foncé, je suis toujours trop timide. Là, je ne suis pas passée avec mon médium, tant pis. Je n'avais pas vu cette branche. Ça se trouve, vous aviez les yeux fixés dessus en vous disant Mais pourquoi elle l'oublie Eh bah bien, parce que quand on a le nez collé sur ce qu'on fait, clairement, on zappe plein de choses. Enfin, moi, en tout cas, c'est le cas. Je m'en rends surtout compte aussi en Diamond Painting. Quand je vérifie qu'il ne qu reste pas un petit symbole isolé quelque part, même des fois, il me reste des, des, des zones complètes hein, que je zappe. Et, euh, et ben c'est au moment où je passe à un autre symbole que je fais Ah, bah ben j'ai oublié ça Alors que j'ai passé plusieurs minutes à chercher pour être sûre juste avant. Quoi. Et quand il n'y en a qu'un, je peux comprendre, mais quand il y a une zone complète d'une dizaine de diamants collés, ouais, là, c'est clairement que c'est que je pas voulu les voir. Je pense que je vais passer la couleur sur cette page et puis après je vais faire une pause parce qu'en vrai j'ai enchaîné euh, mon colo euh, mon colo du frix avec celui là j'ai pas fait de pause et là c'est vrai que je commence à sentir au niveau des yeux ça me le faisait pas donc c'est pour ça que j'étais lancée dans ma j'étais partie dans ma lancée colo mais voilà je sens je sens les yeux qui commencent à fatiguer un peu bon, en même temps je suis rentrée chez moi il était 14h30 j'ai dû commencer à colo vers 45 et puis ben, je vous dis là il est quasi 17 heures enfin il était quasi 17 heures donc moi euh... ouais, j'ai passé euh... j'ai passé euh, deux heures sur mon colo sur des, sur du colo facile donc bon c'est un peu normal que mes yeux ils commencent à, à se croiser un peu Et puis bon là c'est quand même euh, un motif assez euh, assez répétitif donc euh, ça aide pas non plus pour euh, pour le confort visuel on va dire donc euh, du coup je vais les faire une petite pause je pense et puis je le reprendrai après je suis même pas sûre de faire toute la toute la page en fait parce que j'ai pas envie de me forcer et là je sens que je force euh, alors je force pas sur l'envie mais je, je force sur les yeux et euh, je pense que ça risque effectivement de, de me faire forcer sur l'envie juste après. Donc, euh, je vais essayer de m'arrêter à un endroit logique pour ne pas éviter. De euh, éviter. Oublier de, de branche. Mais euh, je pense que je vais m'arrêter ici. Bon, je ne sais pas, parce que quand je serai ici, il y aura celle-là. Ouais, je sais pas où arrêter. Voilà. Non, bah, je vais continuer, alors tant pis. Bon, non, non, je vais, je vais arrêter bientôt. Mais au moins, euh, ce mois-ci, je l'aurais pris, je, je continue à l'avancer, je continue à l'avancer. Je suis contente. Alors, vous vous en doutez bien, je ne l'emmène pas avec moi en voyage. C'est pas lui que j'emmènerai. J'ai toujours pas choisi, là j'hésite entre deux livres. J'hésite entre euh, bah, Rita Berman. Parce que c'est décolo euh, pas prise de tête. Et puis, euh, et puis comment dire, enfin. Oui, c'est pas mon livre favori. Clairement, mais euh, pff, je sais que c'est des colos pas prises de tête et qui ne prennent pas non plus euh, 50 ans à faire. Et euh, donc euh, voilà, si je décide de commencer un petit colo dans l'avion parce que je m'ennuie et que j'ai envie de m'occuper, etc. Bah, je peux commencer un petit colo dans l'avion parce que je m'ennuie, j'ai envie de m'occuper. Et euh, si je le reprends pas du tout de tous le séjour, bah c'est pas grave, il y aura l'avion de retour et euh, et ça se trouve avec les deux vols en avion, il sera fini. Et puis voilà, et même s'il n'est pas fini au moment où je rentre, ben il ne me demandera pas 50 000. Alors là, il ne va pas me demander trop trop de... De trop m'y replonger derrière. Et euh, sinon, j'hésitais avec un Lulu maillot euh, Parce que... Ah non mais. J'ai fait n'importe quoi. En fait, j'ai oublié toute cette zone-là avec euh, la teinte médium on va laisser la teinte claire et puis je vais finir la teinte médium quand je vous dis que je commence à fatiguer Hop. du coup oui l'ulu maillot sinon c'est pareil c'est des petits c'est un petit bouquin euh, qui prend pas trop de place euh, qui est assez rapide à faire alors qui est un peu moins rapide à faire que, que rita berman mais qui change un peu J'aime bien, ça change un peu. Mais euh, enfin voilà, c'est pareil. Et puis, euh, ben l'un comme l'autre, euh, pour aller dedans, j'emmène pas, j'emmène, j'ai pas besoin d'une grosse gamme. quoi euh, Si je prends le Rita Berman, je prends mes, euh, mes Enacolor Aquarella, c'est une petite trousse, un taille crayon, euh, un petit taille crayon, je pense que je prendrai le Tigal, puisque... Euh, là, j'ai même pas passé de, de foncé. Euh, je pense que je prendrai le Tigal, puisque l'avantage, c'est qu'il a un petit réservoir. C'est juste pour ne euh, pas en mettre absolument partout dans l'avion. Hein. Je ne suis pas comme ça. Mais euh, ouais, c'est tout. Et euh, si je prends Lulu Maillot, euh, j'ai encore mes, mes duotos. Donc euh, je pense que je prendrai ma, ma trousse de duotos. Alors, si elle rentre dans mon sac à dos, ça va dépendre de la taille. Bon, après, je peux toujours mettre les duotos dans une autre trousse. Hein. Je ne suis pas obligée de garder ma trousse plate qui séparent etc j'ai des petites trousses de voyage ça peut très bien faire l'affaire aussi et surtout que les Giotto on va pas se mentir c'est pas les crayons euh, c'est pas les crayons de mes rêves hein. s'ils sont cassés perdus je m'en contrefiche bon c'est des crayons donc ça enfin voilà mais bon c'est pas grave quoi enfin c'est pas que je m'en contrefiche mais c'est pas grave on se comprend euh, du coup, ouais, je pense prendre une de ces deux gammes. Euh, qui, qui... C'est pas grave s'il se passe quoi que ce soit, on va dire. Et, euh, et puis un petit livre, quoi. Un seul, un seul livre. Donc, euh, parce que ça se trouve, en plus, je colorierai même pas. Ça se trouve, j'arriverai à très bien dormir dans l'avion. Je me ferai euh, mes, 12 heures, allez, euh, mes 12 heures de premier vol. Euh, une bonne petite nuit. Bon, après, je prends l'avion à midi et demi. J'arrive à 1h du matin, je crois. À... À Hong Kong et euh, je reprends euh, mon autre vol à 4h du matin. Non, ça doit pas être ça les trucs. Bon, je sais pas, je suis perdue. <laughs> si, ça doit être ça. 4h euh, du matin et j'arrive à l'équivalent de 8h en France, donc 8h euh, euh, au Japon. Donc euh, bon. En plus, voilà, l'escale les elle tombe pile au mauvais moment, quoi. Pile au moment où je suis censée faire un gros dodo. Donc c'est pas grave, après, euh, comme après je vais être complètement euh, complètement, euh, comment dire, jet -lagué. Euh, bah, si, si je me si je dors à 14 heures de 14h à minuit, ça sera déjà très bien, quoi. Et puis euh, je finis mon, ma, mon petit somme une fois que j'ai changé d'avion, j'ai quelques heures après avoir changé d'avion, hop, et j'arrive là-bas en pleine forme pour profiter de ma journée. <laughs> oui, je sais. Qui arrive après 16 heures de voyage en pleine forme sur sa destination de vacances Oui, je sais. Mais euh, quand je suis partie au Mexique, clairement, j'ai pas dormi de tout le vol. Euh, bah, je n'étais pas si décalquée que ça le soir. Hein. J'ai très peu subi le, le décalage horaire. Le retour, c'était un peu différent. Je n'étais un... pas forcément. Oh, si, j'étais complètement naze. Je tenais même plus debout. Mais euh, ouais, non, l'aller, l'aller, j'ai. J'ai bien toléré le changement. Bon, après c'était il y a 10 ans. Hein. Clairement, on ne va pas se mentir. Depuis, je suis un peu plus sensible au manque de sommeil, etc. Un peu plus de temps à m'en remettre. Mais, euh... Mais ça va bien se passer. J'essaye de me rassurer. Hein, c'est que là, je commence à vraiment stresser pour, euh, pour le voyage. Le changement d'avion à Hong Kong aussi, ça me stresse à mort ça. Parce que à Hong Kong, c'est Hong Kong, quoi. C'est la Chine. C'est pas Paris. Paris, ça va. C'est non, en fait, j'en sais rien. Même Paris, ça me fait peur. Même le fait de prendre l'avion à Paris, ça me fait peur. Donc, euh, quelle idée j'ai eue. <laughs> quelle idée, quelle idée, quelle idée. Non, mais une fois que je serai sur place, ça ira. Hein. Je, je, ça ira. C'est juste... Euh, plus une fois que je serai sur place, je ne serai pas toute seule. Donc, euh, là, c'est vraiment juste le vol que je fais toute seule. C'est vrai que j'aurais pu attendre de, de savoir quel vol prenaient les autres avant de prendre mes billets d'avion. Mais euh, bon. J'ai voulu quand même euh, assurer le coup parce que franchement les vols, euh, ça évolue tellement le prix. Ça évolue vraiment beaucoup et euh, franchement ça passait euh, pas du simple au double mais pas loin quoi. Donc, euh, donc j'ai voulu assurer un moment où les prix n'étaient pas trop trop élevés. et bah, finalement j'aurais réussi à, à finaliser ma branche. Donc voilà, j'arrive au bout de ma branche, je vais faire ma petite pause, et puis euh, bah, je le reprendrai peut-être ce soir euh, tranquillement dans mon coin. Je pense pas vous refaire une enfin ce soir, cet après-midi, parce que ce soir je suis prise. Mais euh, ouais, je pense pas vous refaire une, une séquence aujourd'hui. Demain, je pense pas non plus, ça va être un peu, euh, un peu court demain pour euh, pouvoir faire une séquence. Mais bon, euh, très certainement jeudi ou vendredi. De toute façon, je clôturerai le vlog très certainement vendredi, donc euh, il y aura au moins une petite séquence vendredi. Voilà, je ne sais pas ce que je vous raconterai, de quoi je vous parlerai vendredi. On verra bien selon l'envie. Bah, si, je ferai ma... ma valise. Enfin, ma valise. La partie loisirs créatifs, hein, le reste, je pense que vous vous en foutez un petit peu. Voilà, ça y est, les trois couches de crayon sont passées sur cette page-là. Je vais pouvoir passer à celle-ci. Je ne sais pas. Non, vous êtes hors champ. Hop. Je vais pouvoir passer à celle-ci par la suite. Bon, la différence n'est pas notable hein, pour le moment. Et puis une fois que j'aurai fait les quatre, eh ben j'acquarellerai et on verra bien ce que ça donne s'il faut repasser un petit peu de crayon pour, euh, pour intensifier tout ça ou pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, bah, je vous dis juste à très bientôt dans une prochaine séquence. Bye bye Hello, hello, nous sommes le jeudi 2 mai et il est à peu près 10h. Et j'étais en train de commencer à préparer ma valise et je me suis dit, bah, pourquoi pas ne pas faire avec vous la partie euh, bah, loisir que je vais emmener là-bas avec moi, puisque c'est la partie que j'étais en train de faire ce matin, que j'étais en train de commencer à préparer. Donc euh, voilà, je me suis dit que j'allais faire euh, ma, ma colo-valise, loisir-valise, je ne sais pas, on l'appelle comme on veut, avec vous. Donc, je vais avoir une grosse valise et je vais avoir également, ça ne rentre pas dans le champ, un petit sac à dos comme ceci, donc, euh, qui m'a été offert pour mon anniversaire. Voilà, il est trop beau, j'adore. Il est violet et avec euh, la petite poche ici, euh, un petit peu scintillant. Je trouve ça trop, trop beau. Et surtout, il est super pratique parce qu'il a une super grande ouverture. Je peux mettre plein de choses dedans et il a les petites pochettes ici, spécialement pour mes loisirs créatifs. Donc, comme là, le plan est pas terrible, je le pose ailleurs et je vous montre tout ça. Donc comme vous l'aurez vu, je me suis décidé pour prendre la, la troisième, euh, le troisième opus, enfin, la, la troisième partie de, de du chuchoteur. Alors c'est pas vraiment la troisième partie parce qu'ils sont tous indépendants, mais euh, dans le deuxième, il y avait pas mal de références au chuchoteur. Donc celui-ci, a priori, il y a encore des références au chuchoteur si on regarde la quatrième de couverture. Une jeune femme nue avec une jambe cassée est retrouvée sur la route, dans une zone inhabitée. Elle a réussi à s'échapper après une longue séquestration, elle se souvient de peu de choses. Un homme, un labyrinthe, un bébé. Son, idée, son identité est cependant établie. Il s'agit de Samantha Andretti, dont l'enlèvement avait été surmédiatisé 15 ans auparavant. Sa réapparition fait la une de tous les journaux et met la police dans l'embarras. Le détective Bruno Jenko décide de reprendre l'enquête qu'il avait démarrée à l'époque, mais la donne a changé car Jenko, atteint d'une maladie grave, sait que ses jours sont comptés et que cette mission sera pour lui la dernière. Donc jusqu'à présent, on se dit quel est le lien avec le chuchoteur et la dernière ligne. Le compte à rebours s'enclenche tandis que plane l'ombre du chuchoteur. Donc voilà, c'est encore une histoire donc indépendante, mais qui va renvoyer un petit peu euh, bah, au premier volet et peut-être même au deuxième volet du chuchoteur. C'est vrai que dans le deuxième, il y a des liens, c'est la même héroïne, a priori elle n'est pas dans celui-ci, parce qu'en tout cas, ils n'en parlent pas de Mila, de Mila Vasquez, mais il euh, y, y a des petits liens très légers et il y en a un gros mais je n'en dis pas plus pour pas spoiler. Donc voilà, je vais prendre celui-ci, il n'est pas très épais donc il prend pas trop de place. Clairement, je pense que dans les 15 jours, il va être dévoré parce que entre l'avion, les trajets en train, les trucs comme ça, euh, voilà, je pense qu'il va vite être dévoré. Ensuite, bien entendu, je vais prendre un petit peu de colo et comme je vous disais dans ma vidéo Décoloriage terminé, j'emmène uniquement ce livre-là parce que c'est un petit livre rapide qui ne demande pas trop de temps, euh, je ne me prends pas trop la tête, bon bah là, il y a du crayon de couleur et de l'aquarelle, mais je peux le faire uniquement au crayon de couleur comme ici. Bon, c'est les deux seuls que j'ai fait, ah non, j'ai fait lui aussi, mais voilà, ce n'est pas, pas celui qui va me prendre le plus de temps à faire et euh, donc je vais essayer de commencer par celui-ci, puis ça se trouve j'en ferai un autre, je ne sais pas, je verrai. Mais voilà, c'est des petits colos rapides. Et puis bah... Ça ne va pas me demander un investissement de fou parce que ça ne va pas être ma priorité de colorier. Mais au moins, si besoin, je pourrais quand même tatouiller un petit peu mes crayons. Et qui dit crayon de. qui dit livre de coloriage, dit forcément crayon. Donc j'ai pris une trousse, donc celle-ci. Et c'est la trousse des Diotos Style Novo. Puisque euh, bah, en fait, jusqu'à présent, j'ai toujours utilisé les Diotos dans mon, dans mon Lulu Mayo. Donc je vais continuer avec la même gamme. L'avantage, c'est que. Bah c'est pas des crayons auxquels je tiens particulièrement. Donc si je les perds, si je les casse, c'est pas grave. Euh, ça reste quand même des crayons qui sont assez solides. Donc voilà. Et il euh, y a quand même une petite gamme. Après, moi je trouve que la gamme, elle est pas pratique pour faire des, des combos et des choses comme ça, mais bon, ça ira très bien pour le Lulu maillot. Et euh, ils étaient vendus avec un petit taille crayon, donc je vais prendre ce taille crayon là, comme ça, si jamais il passe pas la sécurité, j'ai envie de dire c'est pas bien grave, je m'en fous. Bon, j'aurai juste pas de taille crayon pour la suite de mon voyage et je trimballerai tout ça pour rien. Mais euh, voilà, moi si le taille crayon il passe pas la sécu, euh, bah il passe pas la sécu quoi, c'est pas grave. Et si jamais je me lasse des Lulu Mayo, j'ai prévu des petits marque-pages aussi, parce que. Euh parce que je ne vais pas forcément m'encombrer euh, de tout, tout le temps. Donc voilà, j'ai prévu ces 4 petits marque-pages. Au pire, il euh, y a des jours où euh, j'aurai pas tous mes bagages, j'aurai juste un petit sac à dos. Euh, bah, Peut-être que ces jours-là, je prendrai un marque-page avec euh, 4-5 crayons. Et puis voilà, ça ne prendra pas de place dans mon sac à dos. Et, euh, et le reste, bah, je le laisserai euh, dans ma valise, qui elle restera à l'hôtel. Parfois je fais des excursions sur, euh, sur 48 heures, donc je dors ailleurs, mais euh, j'emmène pas tout. Et euh, voilà, je prends un petit marque-page, 4-5 crayons. Et euh, comme ça, le soir avant de me coucher, euh, un, petit de, un petit peu de coloriage. Et comme j'ai un taille-crayon sans réservoir, j'ai prévu un petit sac pour les épluchures, enfin les, les copeaux, tout simplement. Et enfin, j'ai prévu également un petit peu de point de croix. Voilà, donc j'ai choisi celui-ci. C'est un petit kit tout petit, tout mignon, facile à faire. Donc euh, voilà, si j'ai vraiment envie de broder, je ferai ça. Je pense que je prendrai plaisir à le faire. Je vais vous le remontrer. Normalement, vous, je vous montrer dans les dans la vidéo de mes projets, euh, de mes projets. Hop, voilà. Donc là, il est en estampé. Donc j'ai déjà commencé un petit peu ici. Vous voyez, il est, euh, il est, il est. Alors, il fait pas bloc parce qu'il est tout petit, mais en gros, tous les points se suivent. Enfin voilà, c'est vraiment un projet facile à faire. Là, je vais continuer. Je ne sais, sais pas par où je vais C'est vraiment facile à faire. Il est tout petit, tout petit. Il fait 19 par 19 cm. Et encore, je crois que c'est bord, in... bord inclus. Il fait très exactement 14 cm par 14 cm. Voilà. Et en plus, ce n'est pas, pas du total. Donc, c'est vraiment le petit projet de voyage par excellence. Il ne prend pas de place. J'ai mis un petit enfilfil qu'on m'a offert, donc c'est les amphiles avec le truc souple là. C'est assez fragile, mais bon, j'ai pris une aiguille, j'espère que ça passera à la sécurité de l'aéroport. Si elle ne passe pas à la sécurité de l'aéroport, eh ben le kit ira dans, dans ma valise et il reviendra tel quel, parce que en fait je n'ai pas prévu d'emmener 50 aiguilles, je vais les perdre. Et euh, déjà que j'en ai plus beaucoup parce que j'en ai cassé plusieurs. Euh, voilà. Donc, lui, je pense qu'il va avancer pendant mon voyage parce que faire 3-4 3 à droite, à gauche, c'est tout à fait faisable. Et au niveau des loisirs créatifs, eh bien, c'est absolument tout. Enfin, des loisirs créatifs. Le livre n'étant pas loisirs créatifs. Voilà. Mais euh, au niveau loisirs euh, détente, c'est absolument tout ce que j'emmène parce que je pense que j'aurai euh, déjà bien assez de choses à faire pour ne pas passer tout mon temps sur mes loisirs. Et euh, je pense que les temps de calme et de repos seront beaucoup plus euh, occupés par. Euh, du sommeil et essayer de dormir, de rattraper le décalage horaire et puis bah de me reposer parce que ça va être un sacré rythme. Et voilà pour ma petite valise loisirs créatifs. Donc, bah moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine séquence et je vais continuer bah ma valise de tout le reste. À tout à l'heure Et recoucou Nous sommes toujours le jeudi 2 mai. Je crois que c'est ça. Et euh, il est à peu près 19h30 et je vous prends pour une petite séquence rapide parce que ça m'amusait en fait. J'ai eu envie de ressortir mon mystère aujourd'hui, ce soir. Comme vous le savez, euh, j'ai pas envie de me lancer dans un nouveau colo... Euh, un nouveau colo que je ne terminerai pas avant de partir. Et voilà, euh, bah je sais pas. Ça m'a pris comme ça. J'ai eu envie de sortir le mystère. Et à travers, je voyais les cornes de Maléfique. Je vous spoil, mais bon, vous aurez deviné aussi. Et je me suis dit, bah, et si c'était le moment de faire comme tout le monde et de te lancer au mystère euh, feutre-acrylique parce Avec les cordes de maléfique, je ne me voyais pas. Vous voyez ici, il y a toute cette zone noire, mais en fait mon noir, il n'est pas très noir. Et bah du coup, euh, du coup je me suis dit, est-ce que je ne lancerai, je, je ne suivrai pas la mode du mystère à l'acrylique vu que j'ai acheté plein de feutres acryliques comme tout le monde, les RTX et que jusqu'à présent, ben, je n'avais jamais pris le temps de, de les faire. J'avais quand même fait mes nuanciers, mais voilà, je n'avais jamais pris le temps de les faire. Et j'ai commencé à faire, et c'est vrai que, bon, voilà, il n'y a pas photo, c'est le confort et, euh, et l'esthétique. Mais si je vous montre ça en rigolant, c'est que moi, ce n'est pas le premier mystère à l'acrylique que je fais. Je vais essayer de vous retrouver. Voilà, j'avais déjà fait stitch à l'acrylique, enfin au marqueur acrylique, mais au marqueur acrylique de chez Action. Donc là c'est de l'acrylique, là c'est de l'acrylique, euh, clairement ce gris clair, je ne suis pas sûre que c'était vraiment de l'acrylique. Le jaune, c'est ce qu'on appelle de l'acrylique ultra couvrant. Et euh, pff, franchement, ça... voilà, l'acrylique de chez Action, il y a des couleurs, ça rend vachement bien. Et puis il y en a d'autres, ça rend pas du tout bien quoi, ça laisse des traces, c'est transparent et tout. Et j'en avais fait un autre avant, oh, où est-ce qu'il est, qu est Et ça c'est le premier à l'acrylique que j'avais fait, c'était il y a très très longtemps. Et c'est pareil, c'était les acryliques de chez Action. Il y avait juste la teinte peau que j'avais pas. Mais c'est vrai que j'avais adoré le rendu sur le fond et les cheveux. Et j'aurais aimé avoir une teinte peau. Donc, je suis le mouvement sans suivre le mouvement. Hein. J'avais déjà testé, j'étais déjà tombée sous le charme du. Du. Comment ça s'appelle des, des mystères à l'acrylique, mais je n'avais pas, pas encore de bon feutres pour faire. Enfin, de bons marqueurs acryliques, parce je n'avais pas envie d'acheter, d'investir dans les posca pour faire ça et euh, bah forcément euh, le fait que ce soit devenu à la mode fait que maintenant on a accès à plein de crayons euh, en ce sens et du coup bah voilà hein, moi aussi je m'y mets hein, je reprends je reprends mes mystères alors après le mystère ça restera pas le truc que je ferai le plus hein, vous savez euh, c'est vraiment euh, très euh, très euh, comment dire très épisodique chez moi le mystère mais voilà, dans des situations comme ça où j'ai vraiment pas envie de me lancer dans un gros colo, euh, bah, c'est quand même top. Et euh, voilà, comme j'ai enfin fini mes, euh, mes nuanciers euh, de... des crayons RTx et ben bah, je me lance euh, aussi dans le mystère. Et j'avoue que commencer avec Maléfique pour un mystère à l'acrylique, c'est pas mal parce que Maléfique quand même. Euh... Enfin voilà, avec un vrai noir opaque, ça va pas du tout rendre la même chose que si j'avais ce noir-là. Hein. On va pas se mentir. Par contre, j'espère que j'aurai les autres couleurs. On verra bien. Mais euh, voilà, je suis le mouvement du mystère à l'acrylique. Bon, de toute façon, moi, c'était déjà un mouvement. Qu'est-ce que je fais N'importe quoi. C'était déjà un mouvement que j'avais testé avant que ce soit la mode. J'avais juste pas les bons crayons. Mais euh, c'est pas pour autant que je vais suivre le mouvement de m'acheter le tome 11. Euh, je ne me sens absolument pas le courage et la patience euh, de faire le tome 11. Clairement. Si jamais je devais en acheter un autre, ça serait peut-être le portrait, parce qu'il a l'air assez facile. Mais euh, j'en ai encore trois euh, ou quatre euh, des volumes. Ça, c'est le volume 1. J'ai le chat et Félin, je crois. Et euh, je dois avoir euh, le 2. Et le 6. Et je le Mickey, euh, Mickey et compagnie aussi. Mickey et compagnie, je l'aime bien celui-là. Je pense que celui-là, je, euh, je le ferai au marqueur à cri. De toute façon, si j'avais arrêté de le faire, c'est clairement parce que je voulais le faire. Euh... Je voulais attendre d'avoir des bons marqueurs acryliques pour le faire. Mais comme je n'avais pas envie de prendre les, les Posca, et ben je ne le faisais pas. Mais du coup, ouais. Mais non, je n'achèterai pas le tome 11. Je ne ferai pas comme tout le monde à acheter le tome 11. Je, je laisse ça pour les vrais passionnés de mystère. Moi, pour le moment, c'est pas ce qui me. c'est n'est pas ce qui me fait vibrer le plus. Euh, J'ai pas la patience. Clairement. J'ai clairement pas la patience. Euh, moi, quand je vois les trucs du tome 11. Je vois cette illustration-là, quoi. Cette illustration-là, c'est 75 000 couleurs. Pour au final, quand on regarde, avoir juste une énorme zone de vert, et sachant qu'il n'y a qu'un seul vert. Mais euh, je ne sais même pas où elles sont, toutes ces couleurs. Moi, bon, ouais, j'ai peut-être un peu triché. Hein. Peut-être que dans les gris, il euh, y a quatre gris différents. J'ai peut-être euh, mis deux fois le même à des endroits. Mais euh, ouais, quand on voit tout ça. Euh voilà, c'est des petits trucs comme ça. Euh, c'était tellement fin qu'il y a des endroits, il y avait même pas écrit le, il y avait même pas la lettre quoi. Donc ça, pour moi, quand je vois les images qu'on voit du tome 11, je visualise celui-ci et celui-ci, c'est celui-ci qui m'a fait faire un blocage dans les mystères parce qu'il était interminable. Mon celui-là, il était fait de bien avant, à l'époque où c'était le crayon de couleur en appuyant bien avec l'essence sans odeur. Ça rentrait très bien, mais je fais plus ça, fin, clairement, plus envie, plus envie, plus envie. Bref. Non mais je ne vous montre pas tous mes mystères. Les mystères, euh, enfin moi je, je fais vraiment trop ça à l'arrache pour, pour que ça puisse être montré. Mais voilà, moi aussi, je m'y mets, voilà, je fais comme tout le monde. Je suis un pigeon. Non, c'est pas pigeon dans le sens euh, dans le sens où je me fais avoir... C'est pas pigeon le terme. Non, je suis un mouton, voilà. C'est ça, c'est pas je suis un pigeon, c'est je suis un mouton. Je fais comme tout le monde. Mais bon, je remercie quand même très fortement. Euh, Ad colo 71 parce que c'est grâce à elle que, que j'ai acheté les RTX et euh, même si c'est un certain budget, je reconnais que euh, voilà, le noir en tout cas, parce que oui, j'ai fait mes nuanciers, et euh, pour le moment je n'ai testé que le noir, et je reconnais que le noir est quand même extraordinairement sensationnel. Voilà, c'est vrai que ça rend très très bien. Donc euh, voilà, j'ai hâte de le finir celui-là. Je pense que je vais, je vais faire ça ce, de ma soirée. Euh, à la base, je voulais vous faire une petite séquence. Pour vous parler et faire un petit peu avec vous euh, bah, de mon petit porte clé en broderie perlée. Puisque je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous le mettre dans l'avancée de mes projets. Et euh, bon, je ne sais pas si vous suivez, mais euh, le mois dernier, je devais être rendue à peine par là. Donc, euh, je l'ai quand même bien avancé. Et j'avais envie de finir ce petit bout avec vous et de commencer l'autre partie avec vous. Mais euh, voilà, je prends ma séquence sur, euh, sur Maléfique. Euh, je ne sais pas si... Euh... Je ne sais pas si je vous prendrai demain. Si j'aurai le temps de vous prendre demain. Je pensais vraiment clôturer le vlog ce soir avec cette séquence. Donc, euh, donc en fait, bah, je ne vais pas faire broderie perlée avec vous. Je vais continuer un petit peu ma maléfique avec vous pour papoter. Et puis, euh, et puis bah, la broderie perlée, j'en ferai... Euh, bah, j'en ferai ultérieurement, pas dans ce vlog-là. Mon vlog retour peut-être. Mais euh, ouais. Non, je me dis que ce serait plus raisonnable de de clôturer mon vlog ce soir, même si on n'est que jeudi, parce que je me rends compte que bah, j'ai encore énormément de choses à faire pour... Euh, pour préparer mon voyage. Enfin, c'est pas grand-chose, mais... Euh, enfin, si. Si, si, si. si. Enfin... J'aurai pas le temps de me mettre sur, euh, sur une broderie perlée ou des choses comme ça. Je vais avoir le temps de faire un petit peu de colo, un peu de trucs comme ça. Mais... Euh, pas le temps au point de faire une séquence complète, même si je blablate pas beaucoup, de faire le montage et tout. Là, je me dis que si je clôture le vlog ce soir, je fais le montage. Je fais le montage ce soir, je l'exporte dans la nuit et bah demain, demain matin, je le mets en ligne et et voilà, c'est réglé. Alors que si je refais une séquence demain, ça veut dire que bah je fais tout ça ça retarde encore d'une journée. Alors vous me direz, bah oui, mais tu pars que tu parles que dimanche, ouais, mais samedi, je suis pas là. Samedi, euh, samedi, j'essaye de me changer les idées, de ne pas trop stresser. Donc. d'où voilà, je vais sûrement clôturer le vlog sur, euh, sur cette jolie image. Enfin jolie, je ne sais pas, chacun ses goûts. Mais euh, sur ce. Sur ce. Ce détourage au noir de Maléfique qui me plaît très fortement quand on compare ça et ça, il n'y a quand même pas photo. Alors oui, je sais, euh, moi je ne fais pas les mystères en mode euh, arrangé, en mode Instagram, etc. Quand je fais un mystère, c'est vraiment pour... Euh, parce que j'ai envie de, de... de jouer avec mes crayons, mais euh, avec le cerveau en mode zéro, quoi. C'est pour ça que je prendrai pas le... le comment ça s'appelle Le mystère euh, tome 11. Moi, enfin voilà, un mystère, c'est de la détente, c'est pas de la concentration. Donc, euh, donc voilà. Et puis bah du coup euh, je pense que je vais m'arrêter là puisque je suis censée trouver un gris bleuté noir très foncé et que je sais pas si j'ai ça. Hein. A priori j'ai pas ça là. J'ai pas ça là. Hum, hum, hum. J'ai pas, pas l'impression d'avoir en fait cette couleur. Ah si peut-être là, le 98, ça pourrait peut-être faire l'affaire. Mais par contre, ce vert foncé, ce vert très très foncé, ça j'ai pas. Ça je peux trouver. Ouais, le 3, euh, le 3, je sais pas trop. Ou alors lui peut-être, même s'il est un peu clair. Là, il faudrait que je regarde la solution pour voir lequel s'apparente le plus. Je, je vois que je vous montre tout, euh, tout pas bien, tout pas bien. Ouais, parce qu'en fait, vous voyez même pas là, de quelle couleur je parle. Mais ouais, j'ai un gris très très foncé avec des reflets bleutés. Donc lui, je pense qu'il fera l'affaire. Et à côté j'ai un gris très très foncé mais avec un peu de vert, mais à lui il sera trop clair, pas assez gris quoi. Et euh, quand je regarde mes autres teintes, euh, bah, j'ai vraiment rien qui pourra faire l'affaire. Donc il va falloir que j'étudie la solution pour voir ça. Donc ça va pas pour être tout de suite. Et bah du coup, euh, moi je vais m'arrêter là pour cette séquence. Et bah, je vous dis euh, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye